Voilà. Bonjour tout le monde, rebonjour à tout le monde. Et nous allons commencer notre commission de cet après-midi avec la question numéro 8, celle de Madame Van Dorp qui est présente ici, avec l'enseignement à distance, c'est pour le suivi. Vous avez la parole, Madame Van Dorp. Merci. Vous aurez constaté la coquille, ce n'est pas l'enseignement à distance, mais bien l'enseignement à domicile. Mais c'est une erreur de ma part dans le titre, mais dans le texte, c'est bien correct. Vous le savez, Madame la Ministre, c'est un sujet sur lequel je reviens régulièrement depuis plusieurs années. Fin octobre, vous me donniez quelques éléments d'explication sur l'augmentation importante du nombre d'élèves inscrits cette année scolaire en enseignement à domicile, notamment suite aux répercussions de la crise. Vous nous disiez également en janvier que votre administration relevait qu'une cinquantaine de parents avaient décidé de réinscrire leur enfant à l'école, donc en cours d'année, et vous espériez que les retours à l'école en cours d'année soient beaucoup plus importants que les années précédentes, du fait qu'une partie des nouveaux inscrits l'étaient pour des motifs liés à la pandémie. Et donc, Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez m'indiquer si cette tendance de retour à l'école constatée par l'administration s'est confirmée ce trimestre? Quel est le nombre actuel d'élèves à domicile en séparant ceux qui sont inscrits dans des cours privés et ceux qui sont instruits réellement à domicile? Quelle analyse est-ce que vous pouvez en faire? Sur le même sujet, j'ai déjà aussi évoqué avec vous le travail de l'inspection. Hein, sur les enfants qui devaient être contrôlés au premier trimestre, 12 avaient remis un certificat médical. Vous m'indiquiez aussi qu'un nouveau contrôle aurait lieu pour ces derniers en février 2021. Et enfin, 9% n'avaient pas justifié leur absence, ce qui entraîne donc automatiquement pour leurs parents l'obligation de les réinscrire dans une école et de fournir un justificatif avant la fin de ce mois de janvier. Et donc, est-ce que vous pouvez m'indiquer, Madame la Ministre, les résultats de ces nouveaux contrôles pour les 12% qui avaient donc remis un certificat? Certains ont-ils présenté un nouveau certificat? Et si oui, est-ce qu'ils seront contrôlés encore cette année? Donc, une troisième vague, même si c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup en ce moment, sera-t-elle lancée? Quels sont globalement les résultats de ces contrôles? Les parents des 9% d'élèves qui n'avaient pas justifié leur absence au contrôle du premier trimestre ont-ils désormais fourni un justificatif et réinscrit leur enfant à l'école? Et de manière plus prospective, dans quelle mesure la Fédération Wallonie-Bruxelles ne pourrait-elle pas établir finalement une prise de contact dès le moment de la déclaration des parents à l'enseignement à domicile en septembre, afin d'analyser la situation des familles, d'identifier celles qui sembleraient finalement mettre des enfants en danger sans attendre que les enfants atteignent l'âge d'un premier contrôle? L'inspection ne devrait-elle pas aussi analyser davantage les types de certificats remis par les familles et suivre de près ce qui couvre une absence d'un jour, celui du jour du contrôle, et ceux de type quarantaine? En effet, il semble quand même que ces derniers offrent une voie royale aux parents pour se soustraire au contrôle en mettant dans certains cas leurs enfants en danger. Et parfois, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, une année scolaire est complètement perdue. Et pour certains, ça ne fait que commencer. Je vous remercie pour les éléments de réponse. Merci, Madame la députée. Je cède la parole à Madame la ministre pour ses réponses. Merci, Madame la présidente. Madame la députée, actuellement, sur les 3181 enfants déclarés comme relevant de l'enseignement à domicile au début de l'année scolaire 2020-2021, on en a 3052 qui répondent toujours actuellement à l'obligation scolaire au travers de cette filière d'enseignement. Donc 3052 sur 3181. Parmi eux, 2272 sont instruits à domicile et 780 fréquentent une structure privée. On dénombre aujourd'hui 129 enfants qui sont retournés vers une école organisée ou subventionnée, dont 83 qui y sont retournés de manière volontaire et 46 sur injonction de la commission de l'enseignement à domicile. Le service de l'enseignement à domicile ne dispose pas en fait de données chiffrées des retours à l'école au cours des années précédentes, donc je ne peux pas faire la comparaison, mais il semble se confirmer qu'un certain nombre de parents, principalement motivés par la situation sanitaire, se sont aperçus assez vite que la pratique de l'enseignement à domicile supposait un investissement personnel que tous n'étaient pas en mesure d'assurer. Concernant
les enfants convoqués en novembre 2020 et pour lesquels les parents avaient remis un certificat médical, ils ont finalement été contrôlés au début du mois de mars 2021. Et donc l'instruction des dossiers est en cours et la commission de l'enseignement à domicile se tiendra le 31 mars prochain. De manière générale et dans la mesure du possible, les services de l'administration établissent un contact avec les parents des enfants déclarés en enseignement à domicile. Ainsi, si à la lecture de la déclaration d'enseignement à domicile ou si suite à un contact avec les parents, le gestionnaire du dossier a une inquiétude concernant la situation de l'enfant, un contrôle du niveau des études d'initiative est mis en place. En parallèle, les informations complémentaires concernant l'encadrement pédagogique assuré par la famille peuvent également être demandées. Par ailleurs, le service de l'enseignement à domicile, en collaboration avec le service général de l'inspection, mène actuellement un projet visant à l'élaboration d'un canevas de plans individuels de formation qui serait proposé aux parents et qui permettrait d'identifier mieux et plus rapidement les familles dont on peut douter qu'elles soient en mesure d'assurer un enseignement adéquat. Tout cela dans l'intérêt de l'enfant, bien sûr, et de son suivi en termes d'apprentissage. En ce qui concerne les absences justifiées par un certificat médical, même si une analyse des documents fournis par les parents est réalisée afin de s'assurer de leur validité, il est, vous vous en doutez, très difficile de les contester puisqu'ils sont faits par des médecins qui ont prêté serment. En tout état de cause, cette compétence ne relève pas des services du gouvernement. Enfin, pour les absences injustifiées, le service de l'enseignement à domicile s'est assuré dans la mesure du possible des réinscriptions. Cependant, il s'est parfois heurté à la résistance de certains parents et, au-delà d'un signalement au parquet compétent, il ne peut agir de manière contraignante. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Madame Van Dorp. Merci. Merci pour les données que vous avez pu me fournir. Voilà, je pense qu'il est intéressant de voir que certains parents se rendent compte que ce n'est pas évident d'enseigner à ces enfants, qu'il faut du temps, qu'il faut de la patience, de la pédagogie. Et donc, voilà, que finalement, malgré la crise, ces élèves finissent par retourner dans l'enseignement, entre guillemets, traditionnel. J'entends qu'il y a certains chiffres que vous n'avez pas encore aujourd'hui, que vous aurez d'ici fin du mois. Je peux donc redéposer une question, donc ça sera après les vacances, donc ce sera pour le 20 avril. Pour avoir ces informations plus précises. Je me permets de le dire pour que ce soit dans les rapports, pour pas que la question me soit refusée si je suis hors délai. Voilà, donc on aura l'élément nouveau d'ici là. Voilà, je pense que les services d'inspection sont peut-être parfois un peu démunis aussi face à certaines situations, où justement ces certificats, il est difficile de contester finalement, alors que lors des échanges, on peut vraiment se rendre compte qu'il y a quand même une difficulté au niveau familial. Et je crois qu'il faut vraiment y être attentif et essayer de voir s'il n'y a pas justement d'autres moyens d'anticiper tout ça, notamment comme je le proposais, avec des contacts directement lors de la mise en place de l'enseignement à domicile, même si ce n'est pas une année d'évaluation, pour être sûr qu'on soit dans le bon directement. Mais donc, je reviendrai vers vous pour ces chiffres plus précis lors de la prochaine séance. Je vous remercie. Merci, Madame Van Dorp. Gardez votre micro ouvert puisque vous avez la question 9 sur l'application des dispositions relatives aux nuits dormantes pour les éducateurs d'internat. Voilà, merci. C'est aussi un sujet sur lequel on revient. Désolée, je suis enseignante de formation, donc quand on parle en même temps, c'est toujours un petit peu compliqué de continuer à donner cours. Donc ici, ce n'est pas évident de poser une question quand on voit que la personne qui doit nous écouter est en train de faire des messes basses, comme on dit dans le jargon, pendant la question. Merci. Voilà, on sait que votre prédécesseur a fait bouger les lignes en augmentant le nombre d'heures dormantes à valoriser pour les éducateurs d'internat. On est passé à l'époque de 3 à 4, comme en communauté flamande. Alors, il me revient que la mise en œuvre de l'article 1er du décret diverses mesures du 3 mai 2019 poserait quelques problèmes au niveau de la pérennité des embauches compensatoires. Donc, pour mémoire, la durée hebdomadaire du travail, en comptabilisant toutes les heures de présence du travailleur dans l'internat, en ce compris celles entre 22h30 et 6h30,
ne peut dépasser 48 heures en moyenne sur une période de référence de 10 mois, commençant le 1er septembre, se terminant le 30 juin. Donc, en augmentant le nombre d'heures valorisées, les éducateurs arrivent plus rapidement au quota maximum à prester, et donc ce qui amène logiquement des embauches compensatoires. Alors, des rumeurs persistantes évoquent votre intention de supprimer à partir de l'an prochain ces engagements compensatoires. Alors, plutôt que d'écouter les rumeurs, je préfère venir vers vous directement pour avoir des réponses claires. Est-ce que vous pouvez donc faire le point sur ce dossier ? Est-ce que vous savez nous dire combien d'éducateurs ont été engagés pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 pour compenser justement la valorisation d'une heure supplémentaire par nuit par éducateur et donc permettre aux internats de fonctionner correctement de jour comme de nuit? Et donc, quelle analyse est-ce que vous faites de cette situation? Et est-ce que donc le gouvernement a décidé de stopper l'engagement compensatoire d'éducateurs d'internat? Si oui, est-ce que vous pouvez nous en exposer les motifs? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame Van Dorp, Madame la Ministre. Mais vous savez, Madame Van Dorp, que, comme tout le monde, que les femmes savent faire toujours plusieurs choses en même temps. Donc, comme elle a deux oreilles, elle pouvait écouter monsieur, son chef de groupe, et vous écouter en même temps. Je comprends très bien, Madame Van Dorp, parce que j'ai moi-même un petit problème, à mon avis, de oui, et quand il y a du brouhaha, je trouve ça très difficile, en fait, de parler. Donc, et Madame Van Dorp a bien raison, Madame la Présidente. Quand on donne cours, on n'aime pas être perturbé. Je serai en classe, je penserai la même chose que vous. Alors, Madame la députée, et vous avez raison de m'interroger là-dessus, parce que votre question démontre bien, justement, qu'on ne doit pas s'arrêter aux rumeurs. En effet, le gouvernement exécute bien évidemment les dispositions légales votées par le Parlement et n'a bien sûr pas l'intention de mettre un terme à l'engagement compensatoire. Les heures attribuées en 2019 et 2020, à savoir respectivement 2151 heures et 2322 heures, avec correctif de l'année précédente, pour l'ensemble des internats et homes d'accueil de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement non obligatoire, ont été répartis sur des membres du personnel, soit en complétant leur charge, soit en procédant à de nouvelles désignations. En raison du calcul d'encadrement des internats, le système ne permet pas de faire la distinction entre un engagement normal et un engagement consécutif à l'octroi de 16 heures. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Madame Van Dorp. Merci pour cette information rassurante. Je suis contente d'être venue vers vous pour qu'on puisse faire taire justement cette rumeur, puisque je pense réellement que c'est un point important pour les internats, que ça a vraiment permis aussi de pouvoir s'aligner sur l'autre partie de la Belgique, hein, donc la communauté flamande. Et donc voilà, merci pour les chiffres également et pour ce point de vue rassurant sur le fait que ce système va bien continuer et permettre aux structures de pouvoir fonctionner correctement. Merci, Madame Van Dorp. Nous passons à votre question sur les résultats de la réunion avec les représentants des organisations de jeunesse dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Merci. Nous avions discuté précédemment justement de la rencontre que vous deviez avoir avec les représentants des mouvements de jeunesse à propos de leurs inquiétudes concernant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. On a parlé de tous les secteurs qu'il allait falloir contacter pour avoir une bonne coordination également avec la communauté flamande. Mais néanmoins, ici, nous nous étions concentrés sur les représentants des mouvements de jeunesse que vous rencontriez donc le 11 mars. Et donc, mes questions sont assez simples. Quel est le résultat de cette réunion? Quelles inquiétudes ou problèmes ont été exposés? Est-ce que vous avez proposé des solutions ou est-ce qu'eux ont proposé des solutions pour résoudre ces problèmes? Est-ce qu'une nouvelle réunion est programmée ou un calendrier de travail a-t-il été fixé en partenariat avec vous et d'autres ministres concernés, puisque vous avez annoncé pour le printemps un document sur la table? Et donc, voilà, j'aurais voulu savoir où vous en étiez. Je vous remercie. Merci, Madame Van Dorp, Madame la Ministre.
Merci, Madame Van Dorp. Alors, j'ai bien rencontré, je savais évidemment que vous alliez me reposer la question parce que je vous avais renvoyé aujourd'hui. J'ai bien rencontré donc entre-temps le secteur de la jeunesse avec ma collègue Valérie Glatini et des représentants du cabinet du ministre-président. Je retiens vraiment un échange constructif qui a permis d'apporter des éclairages utiles sur les intentions du gouvernement. Les représentants des mouvements de jeunesse ont introduit leur intervention en soulignant le bien fondé qu'ils trouvaient à la révision des rythmes dans l'intérêt de l'enfant. Donc ça, c'était déjà évidemment très positif. Hein. Ils partagent tout à fait les objectifs. J'ai eu l'occasion d'exposer l'historique très ancien de ce dossier, tout comme ses développements récents dans le cadre de l'avis numéro 3 du pacte. J'ai également évoqué les enseignements tirés de l'expérience grandeur nature, finalement, des rythmes partiellement révisés que nous avons pu connaître du fait de la crise sanitaire, avec notamment l'extension dans des circonstances un peu particulières du congé de Toussaint. Leurs interrogations portaient sur l'harmonisation de cette réforme avec les autres communautés. La réponse que je leur ai réservée, qui est celle d'ailleurs que j'ai déjà eu l'occasion de vous exposer, a également permis d'apporter plus de compréhension autour du projet. Une autre inquiétude qui a été exprimée concerne le temps dévolu à la préparation en amont de l'entrée en vigueur des nouveaux rythmes. Et c'est pour répondre à ce besoin de temps que nous souhaitons adopter très prochainement un modèle de rythme au niveau du gouvernement. Ce sera le point de départ de la série d'adaptations réglementaires qu'il faudra ensuite prévoir. Donc mon intention est vraiment de venir au gouvernement encore avant les vacances de Pâques. Finalement, les besoins qui nous ont été exposés sont des besoins très concrets qui, pour une part, existent déjà aujourd'hui en dehors de tout projet de réforme, qui concernent des besoins, par exemple, en infrastructure et en matériel pour organiser les camps. Donc, on va y travailler très simplement. Il y a déjà des pistes de solutions qui sont envisagées pour partie avec mon collègue, le ministre Dardenne, dans le cadre du chantier relatif aux bâtiments scolaires. Et pour partie, on est en train d'en chercher avec Madame Glatini. Le dialogue ne s'arrête évidemment pas à cette réunion et nous avons fait savoir notre disponibilité tout au long du processus, mais je pense vraiment que ça a permis déjà de voir qu'on partageait les objectifs et de souligner les points de difficulté. Je pense qu'elles seront très très rapidement rencontrées une fois qu'on aura stabilisé notre projet et le calendrier en fait. Ça va se faire normalement assez naturellement. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Van Dorp. Merci. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, sur le principe des modifications du rythme, je pense que tous les secteurs sont d'accord avec ça. Pour les mouvements de jeunesse, c'est clair que c'est l'intérêt de l'enfant qui prime, qui a le problème des infrastructures. Des échos que moi, je peux en avoir du terrain, c'est aussi la problématique où de nombreux mouvements de jeunesse organisent leur camp début juillet parce qu'en août, il y a les deuxièmes sessions, etc. Et donc, là, ça limite finalement le temps le nombre de dates possibles pour ces camps, sans compter en plus, et je le répète à chaque fois parce que vous le savez que c'est un dossier aussi qui me tient à cœur, les familles séparées et recomposées où il faut pouvoir caler les vacances en plus des camps pour que chaque parent puisse quand même partir avec les enfants, etc. C'est aussi un gros chantier dont il faut avoir conscience. Et bien sûr, la coordination avec la communauté flamande, puisque sur toute la zone frontière linguistique et bruxelloise, on a des enfants qui sont dans des écoles francophones et dans des écoles néerlandophones, avec, si les vacances ne coïncident pas, de grosses difficultés dans des familles, entre guillemets, classiques, mais d'autant plus dans les familles séparées ou recomposées, plus toute la problématique des jugements qui vont devoir changer. Alors, j'entends que vous voulez déposer quelque chose avant Pâques. Vous nous aviez assuré précédemment, justement, de la prise de conscience de tous ces éléments-là et des discussions. J'espère que tout ça sera pris en compte si vous arrivez d'ici la semaine prochaine au gouvernement avec une proposition et que tous ces éléments-là, très complexes de surcroît, seront bien entendu pris en considération pour qu'on continue à avoir cette adhésion, pas juste l'adhésion de principe sur la modification des rythmes scolaires, mais bien sur les propositions qui seront faites. Merci Madame Van Dorp. Vous avez aussi la question numéro 11 sur l'obligation de testing pour des élèves stagiaires dans le qualifiant. Merci. Ici, c'est une question vraiment assez précise.
d'un témoignage de terrain. Il me revient que des élèves des sections agents d'éducation en stage dans les maisons de repos sont obligés de faire un test PCR dans les 3 jours précédant leur stage. Actuellement, ces tests coûtent environ 50 euros. Vous vous imaginez la difficulté pour les familles ou encore pour les écoles. Et donc, est-ce que la communauté française ne pourrait-elle pas négocier avec les autorités régionales ou fédérales pour que dans le cadre d'un stage, les tests PCR soient gratuits pour les étudiants? Le nombre de CIM Santé laisse suffisamment d'occasions pour cette négociation et je pense vraiment que c'est un élément important. Alors, un autre problème se pose pour les élèves stagiaires dans les écoles de l'enseignement spécialisé. Si votre dernière circulaire indique que les élèves du deuxième degré devaient être présents à l'école dès le 22 mars, par contre, en ce qui concerne la présence des élèves du troisième degré après les vacances de Pâques, vous avez indiqué, même s'il y a eu des changements, c'est bien après les vacances de Pâques qui m'intéresse. En ce qui concerne la présence d'élèves du troisième degré après les vacances de Pâques, vous avez indiqué avoir pris une décision ferme mais non conditionnée. Et donc, certaines écoles spécialisées ne comprennent pas vraiment et du coup n'acceptent pas de stagiaires parce qu'elles ne comprennent pas s'il s'agit après Pâques d'un code rouge aménagé ou d'un code orange et donc elles refusent d'accueillir des stagiaires. Et donc, voilà, pouvez-vous expliquer et développer afin de pouvoir éclairer ces écoles l'expression « décision ferme et conditionnée », quelles sont ces conditions? Les élèves stagiaires font-ils alors partie des tiers autorisés à pénétrer dans les écoles en code rouge ou doivent-ils attendre que le code couleur change pour pouvoir donc aller faire leur stage dans les écoles d'enseignement spécialisé? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la ministre, pour vos réponses. Merci, Madame la présidente. Madame la députée, concernant les tests PCR pour nos apprenants en stage et la question plus spécifique de leur prise en charge financière, je me permets de vous rappeler que les maisons de repos et maisons de repos et de soins ont été informées par voie de circulaire transmise dès le mois d'août 2020 par Madame Montréal de la recommandation du dépistage des étudiants. Cette circulaire précisait bien en son point 2 qu'il revenait à l'établissement de soins de décider de la manière dont il allait effectuer ses tests et que par ailleurs, quel que soit le choix réalisé, le coût des tests était bien à charge de l'établissement. Mon administration ne m'a plus communiqué aucune plainte concernant la prise en charge des tests PCR. Mais il est effectivement important que mon cabinet soit informé des situations qui ne respecteraient pas ou plus les balises de la circulaire, car si celles-ci devaient s'avérer nombreuses, j'interpellerai à nouveau, bien sûr, ma collègue à ce sujet. Ensuite, et concernant l'accueil des stagiaires dans les établissements scolaires, depuis le basculement en code rouge de l'enseignement obligatoire, j'ai toujours soutenu la présence des stagiaires au sein des écoles, et ceux-ci sont bien référencés dans les circulaires comme des tiers autorisés à pénétrer dans les écoles. Néanmoins, s'agissant ensuite de l'organisation concrète sur le terrain, la liberté pédagogique et méthodologique des pouvoirs organisateurs prime. Enfin, concernant les conditions de la rentrée à 100% en présentiel des élèves le 19 avril, ma circulaire précisait degré par degré les dates envisagées de rentrée. Elle indiquait également que les normes qu'elle contenait étaient d'application jusqu'au 2 avril et que je restais en contact avec les experts sanitaires concernant leurs évolutions éventuelles. Il peut assez logiquement en être déduit que de nouvelles normes applicables à partir du 19 avril leur seront communiquées au plus vite, même si vous avez compris que l'évolution de la crise sanitaire complique quelque peu leur définition. Donc, on va un petit peu attendre encore. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Madame Van Dorp. Merci. Concernant les tests PCR, en fait, les maisons de repos disent si vous ne le faites pas vous-même, alors on n'accepte pas les stagiaires. Donc ça, c'est vraiment les retours qui me reviennent. Et donc, je demanderai... voilà, c'est ça. Mais donc, c'est ça qui revient clairement dans les écoles. Faites le test vous-même et vous prenez en charge. Sinon, on n'accepte pas vos élèves. Et donc, je vous ferai remonter ces exemples précis. Concernant les stagiaires et les tiers autorisés, même si vous l'avez rédigé dans vos circulaires, encore une fois, sur le terrain, on se retranche en fait en disant que ça manque de clarté et que donc ils préfèrent ne pas prendre de stagiaires en disant qu'ils ne savent pas si ça fait partie du tiers autorisé à pénétrer dans les écoles. Donc votre précision ici me permettra également de pouvoir revenir
vers ces maîtres de stage pour qu'ils puissent justement argumenter dans les écoles pour que ces stagiaires puissent être accueillis, puisqu'il en va de leur année. Alors, j'avoue qu'il y a quand même un peu confusion dans les codes, parce que justement, en septembre, vous aviez lancé les différents codes qui étaient clairs et nets, et je pense que tout le monde se réjouissait de cette manière de fonctionner. Au vu de l'évolution, ça change, c'est un code rouge, puis tout à fait rouge, puis qui redevient très rouge, et donc ça devient un peu compliqué, parce que certains continuent à se baser sur ce code en disant, bah oui, mais est-ce qu'on est passé maintenant à l'orange, ou est-ce qu'on n'y est pas, et est-ce qu'après le 19 avril, quand on dit tout le monde revient à 100%, est-ce que du coup on repasse alors au code orange? Et donc ça manque de clarté. Alors je peux comprendre que vu la situation, c'est difficile de pouvoir donner aujourd'hui des réponses. Mais encore une fois, vous le savez, pour les écoles, même si elles sont très réactives, un peu d'anticipation et les différentes possibilités doivent pouvoir être données au plus vite, sinon on se retrouve toujours devant des situations abracadabrantes, et au fil du temps, merci, les directeurs et les Madame enseignants Vendor. Commencent à saturer. Je vous remercie. Merci. Je vous ai laissé un peu de temps, mais vous étiez à 4 minutes, le double du temps imparti pour la réplique. Donc, je vais céder immédiatement la parole à Madame Corti sur la réforme du décret inscription dans l'enseignement secondaire. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre, en octobre dernier, j'ai eu l'occasion de faire le point avec vous sur l'état d'avancement de la réforme du décret inscription, lequel, selon la déclaration de politique communautaire, doit permettre de renforcer la transparence et l'équité du processus d'inscription, sa compréhension par les parents et la transparence administrative, et à mieux tenir compte de la réalité des bassins scolaires. Comme j'ai déjà pu le souligner en ce qui concerne les pistes avancées dans la note d'orientation que vous aviez approuvée au gouvernement le 1er octobre dernier, je salue particulièrement celle qui vise à mieux tenir compte des spécificités de chaque bassin scolaire, de même que celle qui consiste à renforcer, autant que possible, le respect de la liberté de choix des parents, conformément à l'article 24 de la Constitution. Alors, pour rappel, compte tenu de la crise sanitaire et de la volonté du gouvernement d'aboutir à un décret solide sur le plan juridique et permettant de résoudre les difficultés de la version précédente, l'entrée en vigueur de la réforme est prévue pour la rentrée 2022, ce qui signifie qu'elle doit être prête pour le début de la prochaine période d'inscription, qui précède donc février 2022. Vous me précisiez que la première lecture d'un avant-projet de décret devait intervenir au sein de votre gouvernement en décembre dernier ou plus tard, pour que l'adoption du décret par le Parlement ait lieu avant l'été 2021. Entre-temps, vous aviez mandaté un groupe de travail chargé de dégager des pistes opératoires et d'effectuer les simulations utiles. Pour rappel, ce groupe de travail est composé de membres de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, des équipes de recherche de la Direction générale du pilotage du système éducatif et de l'ETHNIC, mais aussi de membres de la CIRI. En outre, les travaux de ce groupe de travail devaient être alimentés par un comité scientifique composé d'équipes de recherche de la DGPSE et de chercheurs spécialisés dans les différents aspects du décret, comité qui avait pour mission de formuler un avis, des propositions sur l'architecture du modèle. En février dernier, je remarquais que votre gouvernement n'avait pas encore adopté d'avant-projet de décret et je vous demandais dès lors si, compte tenu du timing serré et de la recrudescence de l'épidémie de la COVID-19 en octobre dernier, le calendrier prévu tenait toujours. Vous me précisiez que des discussions intercabinet étaient toujours en cours, mais que les délais annoncés étaient toujours d'actualité. Je constate à présent que l'adoption en première lecture d'un avant-projet de décret figurait à l'ordre du jour de votre gouvernement de ce 18 mars. Madame la ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes. Maintenant que votre gouvernement a voté un avant-projet de décret en première lecture, pourriez-vous nous le présenter? Quelles pistes ont été retenues pour réformer les inscriptions en première année du secondaire et résoudre les difficultés de la version précédente du décret? Confirmez-nous que cette réforme entrera bien en vigueur pour la prochaine période d'inscription de février 2022. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame la ministre, pour vos réponses. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, effectivement, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d'adopter en première lecture la semaine dernière un avant-projet de décret abrogeant les dispositifs actuels du décret inscription et insérant de nouvelles dispositions au sein du Code de l'enseignement primaire et secondaire. Je vous confirme également que cette réforme doit bien entrer en vigueur pour septembre 2022, étant entendu que toutes les phases préalables à cette rentrée auront été mises en œuvre.
Alors, si ce texte doit encore être soumis aux procédures réglementaires de concertation avec les acteurs institutionnels et, le cas échéant, faire l'objet d'ajustements, sa structure est, me semble-t-il, relativement stabilisée. Ainsi, l'actuelle CIRI devrait laisser sa place à des instances décentralisées portées sur les 10 zones d'enseignement que nous connaissons actuellement. Ces instances locales d'inscription, qui s'appelleront donc ILI, seraient composées de représentants institutionnels de l'enseignement et de représentants des secteurs associatifs qui ont une connaissance pointue de leur zone, le secteur de l'aide à la jeunesse, l'ATL, les CPAS, la lutte contre la pauvreté. Cette nouvelle approche devrait ainsi constituer un axe fort pour aider et accompagner les familles dans le cheminement du processus, mais aussi rapprocher les décisions des réalités locales. Ces instances reprendraient progressivement les missions de la CIRI en termes d'attribution des places et des missions d'aide, mais elles seraient également chargées de mener une réflexion quant à des visées prospectives sur l'application du futur décret. Elles pourraient également envisager des découpages plus précis pour coller au mieux aux réalités locales. Une instance centralisée est toutefois prévue en vue de maintenir une fluidité entre les différentes zones et gérer des recours. Elle s'appellera la COGI au lieu de la CIRI. Nous devrions également voir créer la notion d'école présumée incomplète qui pourrait confirmer l'inscription en ordre utile aux parents avant la fin de la première phase en s'appuyant sur des éléments de certitude contrôlés par l'administration en temps réel. Les écoles seront ainsi présumées incomplètes si au cours des 3 années antérieures, elles étaient effectivement incomplètes. L'objectif de cette mesure est de pouvoir rassurer plus rapidement les familles lorsque finalement il n'y a aucune raison d'attendre la fin de la période d'inscription. Conformément à la DPC, les balises en ce qui concerne les priorités et les élèves ICEF devraient bien être conservées. Il est à noter qu'outre le pourcentage de places réservées aux élèves ICEF, un pourcentage de places pour les élèves non ICEF pourrait également être prévu dans certaines circonstances. Il s'agira là d'apporter une réelle mixité sociale. L'indice composite garderait la même logique, mais le critère de distance entre le domicile et l'école primaire ou fondamentale devrait être considérablement réduit. Nous souhaitons que le principal critère géographique soit désormais celui de la distance entre le domicile et l'école secondaire. On a également travaillé à Bruxelles sur ce que de nombreux observateurs du décret appellent le bonus Berkem. C'était un problème souvent soulevé en région bruxelloise. Nous pourrions également ajouter un 8e critère relatif à l'indice socio-économique de l'école primaire ou fondamentale d'origine, mais nous travaillons encore à trouver le poids, juste poids équilibré dans l'indice composite. Le site internet qui a fait peau neuve cette année sera également enrichi d'informations, aidant les parents à asseoir leur choix. Il s'agira surtout de les informer sur le caractère complet ou incomplet des écoles au cours des années antérieures. Madame la députée, ce sont donc des améliorations structurelles que nous apportons au processus, sachant que la difficulté demeure fondamentalement, et vous le savez, celle de l'adéquation entre les demandes et les places disponibles. Il sera donc toujours nécessaire d'utiliser un dispositif de régulation lorsque l'offre des places est inférieure à la demande. Et il y aura malheureusement toujours des déçus pour celles et ceux qui ne seront pas reçus dans l'école de leur premier choix. Mais avec le pacte pour un enseignement d'excellence qui déploie progressivement ses effets et le travail qui est mené sur l'attractivité des places, nous pouvons espérer des changements significatifs à l'avenir. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Portis. Je vous remercie Madame la Ministre pour vos précisions concernant ce texte, bien qu'après le dépôt de ma question orale, j'avais pu prendre connaissance du communiqué de presse de votre gouvernement de jeudi dernier. Tout d'abord, j'avais déjà insisté sur ce point en octobre et je note que vous me rejoignez. Effectivement, parallèlement à la demande, il est primordial de continuer à travailler sur l'offre d'enseignement, donc la création de places, mais aussi l'amélioration, vous l'avez dit, de l'attractivité de certaines écoles qui sont plutôt délaissées. Il est en effet dommage que certains peinent à trouver une place alors qu'il existe des établissements en manque d'élèves. En ce qui concerne les nouvelles mesures annoncées, je tiens à saluer au nom de mon groupe plusieurs points. Tout d'abord, la simplification majeure pour les élèves qui s'inscriront dans une école incomplète. Donc, comme vous l'avez dit, ça fluidifiera le processus et diminuera l'inquiétude d'une grande majorité des parents et des élèves. On parle ici de 80% des personnes. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme et je vous remercie pour ce point. Le second, c'est la meilleure information, communication, transparence, avec un suivi du processus en temps réel sur le site officiel de la Fédération. Ensuite, la réforme des instances pour mieux coller aux réalités locales, vous l'avez dit.
le renforcement, in fine, du choix des parents dans la discomposite. Et enfin, la mixité sociale a double sens, puisqu'on garde un pourcentage pour les élèves à indice socio-économique faible, mais également un pourcentage pour les élèves sans indice socio-économique. Et donc, c'est là toute l'importance de cette mixité sociale qui va dans les deux sens, comme je l'ai dit. C'est une réforme qui est très attendue depuis longtemps par mon groupe, et donc je vous remercie encore. Nous aurons évidemment l'occasion d'en débattre en profondeur lorsque le projet de décret sera fixé à l'ordre du jour de notre commission. Merci. Nous passons à la question jointe de Monsieur Suarez-Mjel et de Madame Maison, ici présent. Monsieur Suarez-Mjel, sur l'organisation des examens de CE1D dans le cadre des jurys. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. La question des évaluations est une question qui préoccupe beaucoup les parents en général, mais plus on approche du printemps et plus la tension monte. Ici, je vais vous parler de l'organisation des épreuves du CE1D dans le cadre des jurys qui suscite quelques questionnements. Dans la scolarité, je vais dire classique, entre guillemets, des élèves fréquentant régulièrement une école, 4 épreuves externes sont organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du CE1D. Mathématiques, français, langue moderne 1 et sciences. Pour chaque épreuve, des examens des années précédentes sont rendus disponibles. Des examens rendus disponibles pour les enseignants et pour les parents via le site enseignement.be pour pouvoir préparer les enfants le mieux possible. Cette mise à disposition des examens précédents est d'une grande aide pédagogique, car il est important non seulement d'appréhender les socles de compétences à atteindre, mais aussi de se faire une idée de la manière dont on va être interrogé. Le décret portant organisation des jurys de la communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire prévoit quant à lui deux matières supplémentaires dans le cadre du CE1D, en l'occurrence histoire et géographie. Les parents dont les enfants passent ces jurys sont aussi en demande d'accès aux examens précédents. Certaines réponses de l'administration demandent des parents suscitent des questionnements. Lors de la présentation des jurys par la Fédération Wallonie-Bruxelles cette année, et je précise que l'administration a beaucoup insisté pour que les parents assistent à cette présentation, il y a eu plusieurs demandes, dont celle d'avoir des exemples des examens des années précédentes. L'administration aurait, selon mes informations, vous me le opposez, une fin de non-recevoir à la demande des parents d'avoir des examens des années antérieures en histoire et géographie, qui sont les deux matières supplémentaires imposées dans le cadre des jurys du CE1D. Pouvez-vous nous confirmer cette information? Dans le cas de l'affirmative, qu'est-ce qui justifie ce refus et quelle en est la cohérence pédagogique? Ensuite, il n'existe pas de cours de géographie et d'histoire séparés dans le premier degré du secondaire. Les deux matières sont intégrées dans le module d'études du milieu. Au sein de ce module, on les y enseigne avec leurs spécificités et leurs complémentarités. Je m'interroge sur leur séparation en ce qui concerne l'évaluation dans le cadre du jury. Même si, concernant la scolarité classique des élèves qui fréquentent régulièrement l'école, ils peuvent appréhender, puisque l'enseignant est là pour cadrer tout ça, comment un enfant donc, qui passe le jury peut toujours être capable de discerner intégralement et concrètement toutes les questions qui relèvent de l'histoire et ce qui relève de la géographie, alors que les deux matières sont intégrées dans le même module. Enfin, qu'est-ce qui justifie pédagogiquement l'ajout des deux matières supplémentaires que j'ai mentionnées pour les épreuves du jury en comparaison avec les épreuves de la scolarité classique, entre guillemets? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, M. Suarez-Mjel. Nous passons à la question jointe de Mme Maison sur le déroulement des jurys. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le 24 novembre dernier, mais aussi à de nombreuses autres reprises, je vous interrogeais à propos des modalités d'organisation des jurys dans ce contexte de pandémie. Au début du mois de mars, vous annonciez faire appel à la bienveillance des enseignants lors des délibérations de fin d'année. Cet appel ne concerne toutefois pas les jurys, dont les candidats ont très souvent été oubliés depuis le début de cette crise.
Certes, la situation des candidats fréquentant les jurys se distingue de celle des élèves inscrits dans l'enseignement classique, en ce qu'une évaluation tout au long de l'année n'est pas possible pour contrebalancer un éventuel échec aux examens. Toutefois, la bienveillance peut être de mise au niveau de la rédaction des examens et de ses modalités d'organisation. Ainsi, il semblerait opportun d'éviter les questionnaires à choix multiples, à points négatifs. Et au niveau de la correction, il semblerait qu'un point soit retiré à chaque faute d'orthographe et que les oublis d'accent soient systématiquement sanctionnés. Adapter ces règles de correction en tenant compte de l'impact de la crise sanitaire sur la scolarité et la santé mentale des jeunes ne semble pas excessif. En outre, dispenser de l'épreuve orale les candidats ayant réussi les épreuves écrites, réservant l'oral aux seuls élèves devant être repêchés, se justifierait aussi dans le contexte actuel. Enfin, la scission des examens comptant deux matières évaluées en une seule épreuve, telles que histoire et géo, pourrait également faciliter la vie des élèves confrontés à des examens bien trop longs, confectionnés par des professeurs différents qui ont tendance à ne considérer que la seule matière qui leur sont assignées. Alors, Madame la Ministre, j'ai quatre questions. La première, des adaptations de la rédaction et des règles de correction des épreuves de jury telles que suggérées sont-elles actuellement étudiées? Quelles seraient les objections, sinon, à de telles adaptations? En deuxième lieu, que pensez-vous de la possibilité de dispenser des épreuves orales les candidats ayant réussi les épreuves écrites de la même matière pour faire de l'oral une épreuve de rattrapage? Organiser plusieurs phases de délibération afin de permettre aux candidats ayant terminé leur session plus tôt de savoir plus rapidement possible s'ils doivent se préparer pour la session suivante, serait-il envisageable? Et enfin, d'autres mesures d'adaptation, telles que des examens distincts pour des épreuves habituellement rassemblées, peuvent-elles être espérées par le secteur, toujours dans cette optique d'une bienveillance si fréquemment convoquée pour les élèves de l'enseignement ordinaire? Merci, Madame Maison. Madame la Ministre, pour vos réponses. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, Monsieur le député. Alors d'abord, je vous remercie, Madame la députée, pour vos suggestions portant sur la rédaction et les règles de correction des épreuves des jurys. Je vais les partager avec mon administration pour en évaluer leur faisabilité et lui demanderai par la même occasion s'il est envisageable de publier les examens précédents sur le site enseignement.be. Sur ce point, plus particulièrement, j'émets néanmoins des réserves car mettre à disposition des candidats au jury des modèles d'épreuves, hormis bien sûr celles relatives au CE1D, pourrait aussi être improductif puisque d'un cycle à l'autre, le type de question, la forme et ou le concepteur d'un examen peuvent en effet varier. Les matières des examens à organiser par la direction des jurys sont clairement identifiées dans le décret du 27 octobre 2016. Au vu des contraintes organisationnelles, du nombre croissant de candidats et des ressources disponibles, il n'est pas envisageable actuellement de scinder les épreuves rassemblées telles qu'histoire et géographie ou biologie, physique et chimie. Cependant, les examinateurs sont conscients que les candidats ont plusieurs matières à présenter le même jour. De ce fait, ils rédigent en concertation leur examen en tenant compte du temps imparti pour leur matière. Quant à la distinction entre les épreuves d'histoire et celles de géographie pour la passation du CE1D au jury, la direction des jurys se base sur les programmes de l'enseignement organisés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et il existe bien deux programmes distincts pour les matières histoire et géographie. Les cours d'études du milieu n'existent en réalité en fait que dans le réseau libre subventionné, mais ces deux programmes sont conformes au socle de compétences évaluées, ils sont les mêmes dans les deux réseaux. Bien que nous nous trouvions toujours dans un contexte sanitaire difficile à ce stade et pour des raisons pédagogiques, il n'est pas prévu de dispenser des épreuves orales les candidats ayant réussi l'épreuve écrite. L'an dernier, il s'agissait d'une décision exceptionnelle prise face à une situation imprévue de confinement strict. Et j'imagine que vous serez d'accord avec moi, Madame la députée, pour affirmer que la compétence orale est quand même une compétence essentielle dans l'évaluation des langues. Enfin, en ce qui concerne l'organisation des délibérations, l'année dernière, afin de permettre aux candidats en situation de réussite de pouvoir s'inscrire dans l'enseignement supérieur, le président du jury a procédé à des délibérations par groupe de candidats. Cette année, si la situation sanitaire permet le déroulement des épreuves tel qu'il a été planifié, j'espère évidemment que les candidats pourront être délibérés avant la date limite d'inscription dans l'enseignement supérieur. En effet, le principe d'équité ne serait pas totalement respecté entre tous les candidats inscrits.
J'ai déjà réitéré ma demande de bienveillance pour la correction des épreuves et la tenue des délibérations pour les candidats engagés dans le cycle actuel, bien que je devrais plutôt dire notre volonté qu'il soit tenu compte du contexte sanitaire, puisque parfois le mot bienveillance énerve ou est considéré comme insultant par certains enseignants. Donc, je précise le cadre de ma pensée. Je suis consciente, par ailleurs, qu'il est particulièrement stressant pour les candidats et leurs parents de devoir attendre leurs résultats. Une réflexion sur ce point sera menée à l'occasion de la réforme des jurys. La délivrance des résultats, matière par matière et au cas par cas, est actuellement une alternative crédible à mettre en place aux jurys et sur laquelle mes services travaillent en collaboration avec l'ETHNIC. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Soares-Nouzel, d'abord. Merci à Madame la Ministre pour ces éléments de réponse. J'aurais juste une précision à avoir, peut-être que j'ai mal compris. Pour la mise à disposition des examens, donc des années antérieures, donc vous avez dit que vous allez demander à l'administration de les mettre à disposition. OK, merci beaucoup. Merci, Madame Maison. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre, pour vos réponses. Si bienveillance énerve un certain nombre d'enseignants, c'est que d'une part, bienveillance voudrait dire qu'en d'autres contextes, il serait malveillant, ce qui n'est évidemment pas votre propos, mais bon, sens. Et d'autre part, parce que le mot bienveillance recouvre énormément un champ immense et qu'il vaut mieux être précis, et qu'il n'est donc pas suffisamment précis. C'est la raison pour laquelle, dans mes suggestions, qui étaient au nombre de 4, j'ai essayé d'être précise pour mieux nommer, finalement, ou mieux désigner la bienveillance. Alors, au début de votre réponse, vous m'avez dit que vous demanderiez à votre administration d'évaluer mes suggestions, et puis vous les avez détruites les unes après les autres. Non, je plaisante, mais donc vous dites, si j'ai bien compris, et si je récapitule, que pour les épreuves d'adaptation et de règles, les règles de correction, notamment orthographiques, etc., ben ça, vous allez soumettre et allez attendre un petit peu leur réaction, mais que vous allez solliciter leur bienveillance ou réitérer que pour l'oral, oui, que l'oral était important, bien sûr, que je trouve que l'oral est important, mais je vais vous dire, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont importantes qui ne pourront pas être évaluées cette année parce que, comme vous le dites aussi si fréquemment, le contexte est très particulier. Donc, bien sûr que je pense que pour la maîtrise d'une langue, il est important de faire une épreuve orale, mais bien sûr que je pense aussi qu'on se trouve dans une telle situation paroxystique que ce n'est pas peut-être pas indispensable de leur faire passer l'oral cette fois-ci, sauf rattrapage. Je vous remercie de votre ouverture par rapport aux phases de délibération. Et au fait de pouvoir tenir compte qu'elle s'articule correctement. Je me dépêche parce que je vois que Madame la Présidente n'est pas bientôt me couper la parole. Et pour les examens rassemblés distincts, comme vous avez donné l'instruction que les profs se parlent entre eux, peut-être qu'on n'arrivera pas effectivement à ce que ces épreuves s'additionnent et que l'un tienne mieux compte de l'autre. Ce qui est évidemment positif pour les élèves qui ont passé leur jury. Je vous remercie en tout cas pour vos réponses. Merci, Madame Maison. Nous avons une question de Monsieur Soares-Nouzel sur les évaluations et conditions d'apprentissage liées à la crise. Est-ce que vous n'allez pas échapper à la bienveillance? Mais je disais tout à l'heure que les inquiétudes donc liées aux futures évaluations augmentent de plus en plus. Et c'est tout à fait normal dans le contexte de la crise sanitaire. Le stress monte chez les parents et les élèves. Donc, on a encore reçu récemment certains témoignages de centres PMS sur des cas dramatiques. La situation est dramatique, quoi. Donc, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et moi, je comprends les parents qui sont assez inquiets par rapport à ce que ça pourrait apporter surplus de détresse pour les enfants. Donc, cette tension monte parce que les parents ont entendu qu'on va tenir les examens plus ou moins de manière normale, et même si elles seront adaptées à la situation de crise. Vous vous êtes déjà exprimé sur le sujet. J'aimerais y revenir parce qu'il y a eu des expressions récemment, notamment des associations de parents. Vous avez
en effet insisté sur les mesures prises en termes d'identification des apprentissages essentiels, mais aussi sur la nécessité de ne pas évaluer les élèves sur les apprentissages qui n'auraient pas été vus. Vous avez lancé, comme l'année dernière, donc cet appel à la bienveillance, et vous avez bien fait de préciser ce que ça recouvrait, des conseils de classe, puisque quand j'étais encore sur le terrain il y a moins de 2 ans, le préfet de l'Athénée disait toujours pour une évaluation positive. Et donc, je pense que ça recouvrait aussi de la bienveillance de la part des profs qui tiennent compte. Mais dans le cas de la crise, je crois qu'on peut encore insister là-dessus. Vous avez annoncé que des balises seront à nouveau détaillées dans une circulaire qui doit être concertée avec les représentants syndicaux, les associations de parents et les pouvoirs organisateurs. Toutes ces mesures vont dans le bon sens. Cependant, il subsiste la question des disparités entre écoles et entre pouvoirs organisateurs sur cette problématique. Des disparités pointées par des acteurs de terrain, dont les associations de parents et représentants d'élèves, qui réclament que les balises édictées soient contraignantes pour tout le monde. En effet, certaines écoles et pouvoirs organisateurs n'ont pas respecté vos consignes de l'année dernière, pénalisant ainsi certains élèves. Il existe également aujourd'hui des écoles dans lesquelles les consignes que vous avez édictées dans vos circulaires concernant les conditions d'hybridation n'ont pas été tout à fait respectées. Dans ces écoles, le distanciel a été beaucoup plus privilégié. Des enseignantes et enseignants, mais aussi des élèves, ont signalé près de nous les difficultés créées par ce choix fait par certaines écoles. Non seulement certains élèves ont souffert de conditions objectives liées au manque de matériel, mais d'autres ont beaucoup plus souffert de détresse mentale et de décrochage passif en comparaison avec les élèves des écoles qui ont respecté les consignes d'hybridation. Des retards et des difficultés ont été observés chez les élèves dans ces écoles en termes de maîtrise des apprentissages essentiels identifiés. Enfin, des craintes sont aussi exprimées par rapport aux écoles qui restent dans une dynamique de course au programme, et qui ne prennent pas nécessairement en compte le ciblage des apprentissages essentiels. Madame la ministre, quelle est votre réflexion et celle de votre cabinet sur les impacts que pourraient avoir les conséquences du non-respect des consignes d'hybridation sur l'évaluation des élèves? Des mesures sont-elles prévues afin de tenir compte de ces conséquences, surtout dans les écoles où les élèves ont eu le plus de difficultés? Qu'est-il prévu, par exemple, pour les écoles où les consignes concernant le ciblage des apprentissages essentiels n'ont pas été respectées? Que pensez-vous de la demande des parents, d'élèves, de rendre contraignantes les balises que vous avez énoncées en ce qui concerne les résultats scolaires? Enfin, des inquiétudes légitimes sont aussi exprimées concernant les recours externes éventuels aux décisions des jurys et des conseils de classe. Les difficultés rencontrées par les élèves dans le cas du non-respect de l'hybridation et du ciblage des apprentissages essentiels feront-ils partie des critères d'appréciation si le conseil de classe ou le jury n'en tient pas compte, hein? En ce qui concerne les conditions sanitaires, quelle est en l'état actuel des choses la réflexion qui est menée au niveau de l'organisation matérielle afin que les élèves puissent passer leurs examens en présentiel dans des conditions sûres? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, Monsieur Suarez-Mijel. Madame la Présidente, Monsieur le député, permettez-moi d'abord de rappeler que les modalités relatives à l'hybridation dans l'enseignement secondaire ont été laissées à l'appréciation des équipes éducatives, dans le respect toutefois d'une série de balises fixées dans les circulaires ad hoc. Concernant plus précisément les stratégies de différenciation et d'hybridation, comme l'ont à chaque fois précisé les circulaires portant sur l'organisation de la vie scolaire en contexte sanitaire, elles ont dû être mises en œuvre en veillant à ce que les contenus enseignés durant cette période se concentrent sur les essentiels. Les apprentissages dits essentiels ont été déterminés pour guider les enseignants sur les matières à aborder prioritairement dans les circonstances particulières que nous connaissons. Leur identification, je le rappelle, a été effectuée par le service général de l'inspection, entre autres, en veillant à leur cohérence avec les épreuves certificatives. Toutefois, ça vous le savez, au regard du principe de la liberté pédagogique consacré par la Constitution, même si je recommande avec insistance aux équipes éducatives de faire porter leurs évaluations
certificatives et les examens de fin d'année sur les essentiels, à l'instar d'ailleurs des épreuves externes certificatives, je ne peux rendre contraignantes ces balises. Pour ce qui est des critères d'appréciation des délibérations, ils sont fixés par l'arrêté royal du 26 juin 1984 et c'est le conseil de classe qui est compétent pour décider de la réussite ou non d'une année d'études. Vu le contexte de crise sanitaire, j'insiste toutefois particulièrement pour que les éléments en relation avec la détresse psychologique soient pris en considération dans l'intérêt pédagogique et psycho-éducatif des élèves. Une circulaire précisant ces éléments et aidant les conseils de classe à prendre leurs décisions sera très prochainement concertée avec les acteurs. Je tiens à rappeler encore une fois, je crois que c'est important de le redire justement par rapport au débat qu'on a eu à la question précédente, rappeler que j'accorde toute ma confiance dans les décisions que les équipes pédagogiques prendront lors des conseils de classe. Je suis convaincue que ces décisions seront les meilleures pour les élèves et qu'elles respecteront les balises liées à l'enseignement en hybridation qui ont été communiquées à plusieurs reprises. Elles devront être prises dans l'intérêt de l'élève, de manière à lui permettre de progresser dans la suite de sa scolarité. Je veux aussi qu'on tienne compte des circonstances très particulières de cette année scolaire. Quant aux modalités d'organisation des évaluations certificatives, elles devront respecter les mesures de mise en œuvre dans le cadre du code couleur adapté à un retour en présentiel de 100% des élèves à partir du 19 avril prochain. Mais nous sommes tributaires de l'évolution des conditions sanitaires qui, comme vous le savez, sont sujettes à une forte variabilité ces derniers jours. Enfin, j'envisage de recommander à la commission des recours externes de prendre en considération d'une part l'organisation de la vie scolaire en code rouge et d'autre part le ciblage sur les essentiels dans l'analyse des dossiers qui lui seront soumis. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Suarez-Njal. Merci Madame la Ministre pour les éléments de réponse. Disons qu'il y a des principes auxquels on ne peut déroger la liberté. Je suis tout à fait conscient. Néanmoins, j'insiste sur les risques d'inégalité et de discrimination, UNIA le dit, exacerbés en période de crise. Le non-respect des balises peut amener effectivement à des biais sur lesquels UNIA attire l'attention souvent. Et ce sont les élèves qui sont victimes de ces biais en temps normal qui en subissent encore beaucoup plus les conséquences négatives. J'apprécie beaucoup ce que vous avez dit sur la commission des recours externes parce que c'est quelque chose qui est revenu. Et il y a des enseignantes et des enseignants qui nous ont interpellés en disant « Dans mon école, ce que la ministre a énoncé comme balise n'a pas été respecté. Nous avons remarqué dans notre lien avec les élèves qu'ils ont eu des difficultés et nous ne voulons pas que nos élèves soient ceux qui en souffrent lors des évaluations et ceux qui en pâtissent. » Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu attirer votre attention. Là-dessus, les situations ne sont pas les mêmes dans les écoles, et donc, il faudra en tenir compte. Je terminerai en rappelant ce que les associations disaient la semaine dernière, que ce soit les associations de parents d'élèves, que ce soit le comité des élèves francophones ou le centre d'expertise et de ressources pour l'enfance. Il disait, je donne cette citation qui est assez éclairante, qui dit « Avant de poursuivre le gavage intensif des savoirs, il est vraiment temps de s'intéresser à la disponibilité de ces jeunes pour avaler tout ça. » Je crois que nous devons réfléchir toutes et tous à cette phrase et avec toute la confiance qu'on accorde aux équipes éducatives, c'est vrai qu'il y a des exigences. Moi-même, quand j'étais prof, il y a des exigences auxquelles on tient. Mais on doit aussi avoir cette pensée pour les enfants et les jeunes. Merci. Merci, Monsieur Suarez-Njal. Alors, nous avons la question 15 de Madame Margot Doré, mais je ne la vois pas. Je ne vois pas qu'elle est connectée. Madame Margot Doré, non? Ah. Voilà, nous allons... Oui, Monsieur Suarez, parce que la fois passée, j'ai dû passer puisque nous avons reçu le règlement. Non, on ne peut plus faire. Donc, voilà. Alors, je vais vous... Oui, mais c'est... En fait, on a refait un petit règlement
Covid, entre guillemets, pour les questions. Et donc, on ne peut plus faire de deuxième tour. Et voilà, dès que, après une fois, deux fois, trois fois, on doit passer à la question. Elle peut la reporter ou passer en écrite, Monsieur Suarez. On ne lui dira pas que vous l'avez fait. Ce n'est pas enregistré. Oui, donc voilà. Elle est connectée. Vite, vite, vite. Alors, une fois, Madame Margot de Ré, deux fois. Oui. Vous voulez bien allumer votre caméra, Madame de Ré, s'il vous plaît. Voilà, je crois que ça marche. Voilà, ça marche. Vous avez super. La parole pour votre question et vous pouvez remercier Monsieur Suarez Angel qui a fait traîner les choses pour que vous puissiez poser votre question. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. En fait, j'ai la question en même temps chez Madame Bertini. J'espère que ça va aller. On va voir. Mais donc, Madame la Ministre, on a déjà abordé à plusieurs reprises la question de la santé des femmes au sein de ce Parlement et même de cette commission en particulier, mais peu encore sous l'angle de la contraception. Et pourtant, c'est vrai que c'est une question qui est assez importante. Et donc, j'aimerais me pencher avec vous, chers collègues, et avec vous, Madame la Ministre, sur la question de la charge que celle-ci engendre sur un moyen méconnu qui permettrait de mieux la répartir et qui est la contraception masculine. Alors aujourd'hui, dans les couples hétérosexuels, ce sont principalement les femmes qui assument la charge contraceptive, alors même que celles-ci ne sont en fait fertiles que quelques jours par mois, contrairement aux hommes qui sont en fait fertiles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Selon une étude menée par Solidaris en 2017, 68% des femmes déclarent utiliser un moyen de contraception contre seulement 33% des hommes. Et parmi ces hommes, 60% citent le préservatif. Alors, cette asymétrie est causée en partie par un manque d'information, un manque d'éducation, un manque de sensibilisation aussi sur la question de la contraception, notamment masculine. En effet, à part le préservatif ou la vasectomie, qui est donc une méthode définitive, et éventuellement la méthode du retrait, qui a une fiabilité variable, aucune méthode contraceptive masculine n'est réellement connue aujourd'hui du grand public. Même les professionnels de la santé se sont souvent sentis finalement un peu démunis par rapport à cette question, puisqu'il n'existe finalement aucune formation ni profession spécialisée en ce qu'on appelle l'andrologie en Belgique dans la question donc, de la fertilité masculine, alors que par exemple c'est un cursus qui existe en France. En février 2020, un colloque a eu lieu qui s'appelle Focus sur les couilles, premier colloque en Belgique d'ailleurs portant sur la contraception masculine et qui annonçait dans ses objectifs trois choses. Première chose, c'est améliorer les connaissances des professionnels et des étudiants et étudiantes du secteur de la santé afin que ces derniers puissent avoir les clés pour mieux aborder la contraception masculine dans leur pratique, donc dès qu'ils sont en contact avec des patients ou des patientes. Sensibiliser le grand public à ces différentes méthodes de contraception et créer un espace d'échange et de découverte grâce à des ateliers. Et enfin, susciter les réflexions sur l'équité contraceptive et donc cette question de la charge répartie au sein du couple, comme je le disais. Alors, en effet, développer la contraception masculine allégerait la charge contraceptive des femmes techniquement, mentalement et aussi financièrement au sein des couples hétérosexuels et permettrait de belles avancées en termes d'égalité entre les femmes et les hommes. Il existe cependant plusieurs freins à la généralisation de la contraception masculine. Alors, outre l'indifférence de l'industrie pharmaceutique que je pense que nous pouvons difficilement régler au niveau de ce Parlement, les hommes craignent dans certains cas des effets secondaires indésirables. Et c'est ce que les études d'ailleurs qui ont été abandonnées ont souvent montré, c'est que ces effets étaient trop forts. Pourtant, lorsqu'on regarde les études sur la contraception féminine, on se rend compte qu'en fait, ils sont plutôt équivalents. Mais également, quelque chose qui a plutôt attrait à une sorte de culture que nous avons ici dans nos pays sur cette question, une sorte d'atteinte finalement à la virilité. Et trop souvent, la contraception est toujours vue finalement comme une responsabilité des femmes uniquement.
Il est clair que ces obstacles ne peuvent être surmontés qu'en permettant une plus grande information sur cette contraception. Celle-ci peut assurément passer par les VRAS, qui pourraient systématiquement, par exemple, élargir évidemment les contraceptions qui sont présentées aux jeunes et parler justement de cette question de la charge contraceptive et de plus d'égalité aussi dans son domaine. Mes questions sont les suivantes. Est-ce qu'il y a des réflexions en cours dans les cabinets et dans le vôtre particulièrement sur le sujet? Êtes-vous en possession d'informations sur d'éventuels projets en cours, notamment dans les plannings familiaux ou via les VRAS? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame Deré. Nous ne connaissions pas ce colloque. Et donc, si on avait su, je pense que Madame Maison et moi-même, nous serions allés avec grand plaisir. Voilà. C'était une petite boutade. Pour détendre un peu l'atmosphère. Madame la ministre, vous avez la parole pour répondre. Ça va être simple. Non. Merci, Madame la Présidente. En tout cas, on ne regrette pas de vous avoir attendu 5 minutes. Voilà. Alors, Madame la députée, on peut rire, mais néanmoins, le sujet est sérieux. Donc, afin de parvenir à une généralisation effective des animations EVRAS pour tous les élèves de la Fédération Aline-Bruxelles, nous travaillons, comme vous le savez, à la réécriture d'un accord de coopération entre la Fédération Aline-Bruxelles, la Région Wallonne et la COCOF. Cette réécriture porte notamment sur les objectifs et thématiques que devront couvrir les animations. Une de ces thématiques vise à sensibiliser les jeunes en fonction, évidemment, de leur état psycho-affectif et de leur âge, aux questions de santé sexuelle et reproductive, et leur offrir une information claire et fiable au sujet de la puberté, des rapports sexuels, de tous les moyens de contraception, de l'interruption volontaire de grossesse, des infections sexuellement transmissibles, de la liberté de disposer de son corps, en ce compris la question des violences gynécologiques et obstétricales. Voilà. À ce titre, outre l'information sur toutes les méthodes de contraception, en ce compris les méthodes masculines, les messages qui sont délivrés dans les animations EVRAS visent à sensibiliser les jeunes au partage de la charge mentale en matière de contraception. En effet, comme vous le soulignez à juste titre, ce sont les femmes qui sont principalement en charge de la contraception. Un partage des responsabilités représente de nombreux avantages et fait progresser notre société vers davantage d'égalité entre les sexes. Je vous remercie. Merci. Pardon. Merci, Madame la Ministre. Madame De Ré. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces éléments. Et je trouve que c'est aussi un bon signal si on peut aussi rire de ces questions. Et donc, je souscris à l'approche établie par la Commission, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez tabou. Et donc, je crois qu'on peut aussi voilà, aborder ces questions avec peut-être un peu plus de bonne humeur que parfois, parce que c'est en effet sérieux, mais c'est en effet aussi tout cette espèce d'univers et de tous ces tabous et stéréotypes qui pèsent sur la question et qui la plombe, si je peux le dire comme ça, aussi au quotidien. Je crois qu'il y a aussi un enjeu de recherche scientifique. J'ai regardé un petit peu au niveau des travaux scientifiques qui existaient en la matière en Belgique, et en fait, vous avez juste quelques experts et expertes du sujet, et c'est souvent à cela que ça s'arrête, ce qui est dommage finalement, parce que je pense que la recherche scientifique peut aussi être un petit peu stimulée. Mon collègue Calvin Suarez, qui est avec vous, je pense, avait déjà d'ailleurs interrogé Mme Gattini sur la question. Et donc, c'est intéressant si dans la réflexion des bras, s'il y a cette attention qui est portée. En tout cas, je serai vigilante dans la suite des travaux de cette commission sur le sujet. Merci beaucoup et encore merci d'avoir patienté. Je repars chez Mme Gattini, excusez-moi. Je vous en prie, bonne commission. Voilà, je vais céder la présidence à M. Suarez-Engel pour que je puisse poser une question. Voilà, merci Madame la députée. Je vais vous donner la parole pour votre question sur le mariage forcé. Vous avez la parole. Merci M. Suarez-Engel. On sort un peu du cadre du Covid, un peu Madame la ministre, parce qu'il y a effectivement d'autres problématique et j'ai vraiment été interpellée par un article de presse qui relate que selon le dernier rapport de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, le nombre de mariages forcés en Belgique est en augmentation depuis 2015. Entre 2016 et 2019, on enregistre 110 cas relatifs à cette pratique, dont 52 dans l'arrondissement du Hainaut, un chiffre recensé par les différents parquets du pays et qui ne reflète que la partie émergée de l'iceberg, d'après la porte-parole de l'Institut.
Au sein du réseau Mariage et Migration, un centre d'action qui œuvre contre les mariages forcés en Belgique, on en compte entre 50 et 60 par an. Depuis le mois de janvier, on a comptabilisé une bonne dizaine d'appels de victimes de mariages forcés et c'est bien entendu énorme. La situation sanitaire n'a visiblement pas arrangé les choses. Avec la fermeture des frontières et le confinement, les jeunes filles sont beaucoup plus exposées à leur famille et subissent encore plus de violences, confie la SBL, violences et mariages forcés. D'après les données transmises par l'association, environ 80% des victimes sont des femmes âgées de 18 à 30 ans. La plupart du temps, ces jeunes femmes sont promises à la naissance et dès qu'elles atteignent la majorité, leurs parents les marient sans consentement. Il faut savoir que pour ces jeunes filles, ces pratiques sont d'une violence inouïe, affirme la présidente de la dite ASBL. Madame la ministre, la politique relative au mariage forcé est très axée sur la prévention qui consiste à cibler les personnes à risque et à sensibiliser leur entourage, notamment les enseignants en Belgique. Dès lors, une collaboration avec les centres PMS n'est-elle pas envisageable ? J'aurais voulu vous entendre sur le sujet. Les centres PMS sont-ils confrontés à ce type de problématique ? Des partenariats ont-ils été mis entre des ASBL traitant de ce sujet et plus largement du droit des femmes, évidemment, et des écoles afin de sensibiliser les jeunes à cette problématique ? Je vous remercie, Madame la ministre, pour vos réponses. Madame la ministre, dans la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, d'abord, votre question est une question qu'on aborde rarement dans cette commission, de souvenirs d'anciennes députées en commission éducation. Je ne me souviens pas qu'on l'ait un jour abordée. Pourtant, évidemment, on sait que c'est un sujet très important. La sensibilisation du personnel enseignant à cette terrible thématique se fait en réalité au travers de plusieurs actions. La question des mariages forcés est abordée dans un guide qui s'appelle « Guide pratique des violences en milieu scolaire ». Celui-ci contient une fiche qui s'adresse aux professionnels de l'enseignement. Elle précise les signaux d'alerte. Elle apporte une aide à l'analyse de la situation ainsi qu'une liste d'associations spécialisées à qui s'adresser lorsque un enseignant se trouve confronté à une telle situation. Le guide propose également quelques outils d'information sur le sujet. Par ailleurs, plusieurs outils et campagnes ont été construits par les services du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ainsi, la direction de l'égalité des chances a édité la publication qui s'intitule « Tant de vacances, tant de mariages » et le site internet « Mon mariage m'appartient » pour informer les jeunes sur les droits concernant le mariage et les aider à trouver du soutien face à un risque potentiel ou avéré de mariage forcé. Toutes ces ressources sont également à la disposition des CPMS qui, en tant qu'acteurs de première ligne et du fait de leur formation spécifique, occupent une position propice à la détection d'une situation de mariage forcé. Le personnel psychosocial des centres PMS est souvent la personne ressource pour recueillir les témoignages, conseiller et rediriger vers les services adéquats tout élève qui serait victime de violence. Enfin, je terminerai en rappelant que l'information objective et systématique des jeunes de leurs droits, de leurs choix et de leurs possibilités en ce qui concerne leur corps, dont le consentement affectif, sera renforcée, comme je l'ai dit à Madame de Rey, dans le cadre des animations EVRAS dont la réforme est en cours. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Je vous donne la parole à Madame la présidente. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, on parle rarement de cette problématique et je viens d'une ville où nous avons été confrontés à un mariage, à une volonté de mariage forcé qui a conduit à l'assassinat d'une jeune fille et où toute la communauté Carolo s'est sentie un peu désemparée. Et je pense que ça a créé aussi un séisme dans les écoles parce que tout le monde connaissait cette fille, Saïda, et tout le monde connaissait le frère qui a assassiné sa sœur parce que le père avait demandé d'aboutir à cette solution fatale. Et donc, à ce moment-là, il y a plus d'une dizaine d'années, les écoles Carolo ont été sensibilisées vraiment sur cette question. Il y a eu plusieurs rencontres entre certaines ASBL et les jeunes.
Et puis bon, après, un peu, je ne sais pas s'ils ont vraiment continué à travailler sur cette, à sensibiliser les gens. Et dans, lorsque je voulais vous poser cette question, je me suis rendu compte que c'était dans le Hainaut que ça posait vraiment un gros problème. Alors, je préside le comité égalité hommes-femmes au Sénat et je suis allée à la rencontre d'une ancienne sénatrice, d'une ancienne collègue que vous connaissez bien, Madame la Ministre, Fatiha Saïdi, qui a écrit un superbe livre, un témoignage. D'ailleurs, je lui rends hommage parce que c'est très difficile de faire une biographie sur cette problématique. Et donc, elle a écrit ce livre magnifique par les liens forcés du mariage. Et elle est allée à la rencontre d'un public, mais je trouvais que ce public était un public aguerri, un public d'adultes, et que l'idée, franchement, ce serait peut-être de pouvoir permettre à des femmes qui ont vécu ça. Mais quand je dis femmes, il y a aussi des hommes qui ont été amenés à des mariages forcés. J'en ai rencontré un qui était en psychiatrie, justement, après avoir un peu passé par plusieurs problématiques, et qui racontait son mariage forcé. Et ça passe parfois insidieusement dans les communautés, en tout cas d'origine. Et je trouve que ces témoignages ont une force extraordinaire de rencontrer une personne qui a vécu cette problématique. Et ces jeunes peuvent, je pense, poser plus facilement des questions et avoir des réponses, des lieux où ils peuvent aller librement s'exprimer et s'orienter. Donc, j'invite vraiment peut-être les PMS à faire ce genre de démarche. Évidemment, pas aujourd'hui parce qu'on est dans une période un peu compliquée, mais le fait de rencontrer vraiment des gens qui sont passés par là peut être vraiment intéressant. Et la problématique des mariages forcés, vous savez, quand j'ai lu cet article, j'ai été très choquée, vraiment, parce que le chiffre, il est énorme, il est énorme. Et je me dis, même une femme ou un homme marié de force est de trop. Mais les chiffres qu'on voit aujourd'hui, actuellement, en Belgique, sont vraiment interpellants. Et donc, je vous remercie de me faire part de ce que vous venez de me dire et de la sensibilisation qui peut se faire via les centres PMS. Mais je pense que peut-être qu'on pourrait avoir une autre réflexion et aller peut-être parfois un peu plus loin. Je vous remercie. Au sein de la présidence, j'ai été tolérant sur la réplique parce que je pense que le sujet en valait la peine. Voilà. Merci, Monsieur le Président, pour votre compréhension. Alors, merci, Monsieur Suarez-Angel. Alors, nous avons Monsieur Dimatia qui est avec nous via Webex. Donc, Monsieur Dimatia, pour votre question 17 sur l'impact de l'allongement du tronc commun sur les stages dans les CFA, vous avez la parole, Monsieur Dimatia. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour, chers collègues. Dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence, l'avis numéro 3 sur la réforme du qualifiant insiste sur une meilleure articulation entre l'enseignement et la formation, afin de rendre l'enseignant plus présent sur les lieux de stage, d'améliorer la qualité des stages et la mise en place d'une approche intégrée et cohérente de l'accueil et de la mise en place du stage. À ce stade, le groupe central note qu'une proximité renforcée avec le monde de l'entreprise, y compris les partenaires sociaux, est essentielle à l'enseignement qualifiant, tant pour la mutualisation des infrastructures, mais aussi pour le nombre de places de stage. Car de trop nombreux élèves du qualifiant, et en ceux y compris ceux du CFA, éprouvent des difficultés à trouver des lieux de stage dans certains secteurs touchés, notamment par la crise. La qualité du stage, notamment pour l'alternance, repose tant sur sa dimension formative que sur les conditions de travail et d'encadrement, bien entendu. Alors, le groupe central s'accorde finalement sur trois priorités de réforme pour l'enseignement qualifiant. En premier, la réorganisation des parcours
et du pilotage de l'enseignement qualifiant et les synergies enseignement, formation, emploi, entreprise. Madame la ministre, je souhaite vous interroger sur les trois aspects suivants. Pouvez-vous nous éclairer sur l'impact de l'allongement du tronc commun pour l'entrée en CFA et notamment sur le mode de contrôle de qualité des stages au regard des adaptations engendrées par ce rallongement? Quelles sont les modalités à retenir selon vous pour une approche intégrée et cohérente de l'encadrement des stages et de l'immersion en alternance? Peut-on dès à présent définir des objectifs concrets et des moyens nécessaires pour une préparation optimale des élèves en alternance? En deuxième lieu, le développement de l'immersion en milieu professionnel nécessite évidemment la mise en place d'un encadrement spécifique de l'élève et la préparation de sa planification entre l'établissement scolaire et l'entreprise. Pouvez-vous nous indiquer si des projets pilotes en matière d'immersion en entreprise annoncés ont déjà vu le jour et dans l'affirmative, nous partager les retours d'expérience ainsi que les recommandations quant au rôle des accompagnateurs et des référents exprimés dans ce cadre? Et enfin, quels sont les objectifs de pilotage en la matière et singulièrement de sensibilisation aux attitudes formatrices des entreprises et aux attitudes à adopter dans le chef des élèves qui se rendent en entreprise? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci Monsieur Di Mattia. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, l'articulation entre l'enseignement et la formation est une pierre angulaire de la formation qualifiante et surtout de l'insertion socio-professionnelle de nos apprenants. Cette articulation est développée au travers des différents travaux et échanges qui sont organisés au sein des instances bassin, enseignement, formation, emploi. Quant à l'impact de l'allongement du tronc commun sur le futur parcours des élèves au sein de l'enseignement en alternance, il est encore évidemment beaucoup trop tôt pour l'évoquer puisque cet axe n'a pas encore été abordé dans les travaux sur la réforme du qualifiant. Concernant les objectifs du pilotage, ils sont au moins doubles. Tout d'abord, les écoles doivent pouvoir identifier le plus clairement possible dans le parcours de chaque élève qui sera en entreprise les savoirs, savoir-faire et compétences que celui-ci sera amené à acquérir ou à renforcer lors de son contact avec l'entreprise. Ensuite, les établissements devront également affiner leur vision du cadre d'accueil qu'offre chaque entreprise qui accueillera un ou des élèves. Il est en effet essentiel de cerner et de bien comprendre l'environnement technique et culturel dans lequel devra s'intégrer l'élève. L'encadrement des élèves sous contrat d'apprentissage fait l'objet d'un réel suivi en entreprise sous la responsabilité de leur tuteur. Ce titre fait ainsi l'objet d'une formation particulière qui peut être organisée dans l'enseignement de promotion sociale. C'est ainsi que, par exemple, dans l'instance bassin de Wiwarem, une collaboration interréseau a permis aux coordonnateurs des deux CFA de la zone d'y organiser et d'y planifier cette formation pour les tuteurs des entreprises collaborantes. L'immersion en entreprise est quant à elle un parcours situé entre le stage et l'alternance. Ce dispositif fait actuellement l'objet d'une évaluation par mon administration. Ce n'est qu'au terme de celle-ci que nous pourrons nous prononcer sur la place qu'il pourrait occuper ou pas de manière plus structurelle à l'avenir. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Di Mattia, vous avez la parole. Très bien, je remercie Madame la Ministre pour ces éléments de réponse. Évidemment, je suis parfaitement conscient que la question intervient un peu tôt et qu'il faut attendre une évaluation. Simplement, je m'interroge sur deux choses. La première, c'est l'impact réel de l'allongement du tronc commun, puisque cet allongement d'une année aura inévitablement des impacts et donc requalification. Les exemples que Madame la Ministre, notamment celui en région liégeoise, j'imagine que ça doit exister également dans d'autres régions, moi j'en connais aussi dans la mienne, la formation des tuteurs fait toute la différence et je fais référence aussi au débat qui a eu lieu au tout début de cette commission sur base d'une carte blanche de l'Union Wallonne des entreprises. Il est clair que la responsabilité de formation des entreprises doit être une pierre angulaire tout à fait importante. Et c'est ce qui distingue la qualité du CFA aujourd'hui et que je tiens à souligner ici dans mon intervention. Merci. Merci, Monsieur Di Mattia. Alors, la question de Madame Alouche est reportée. Et gardez votre micro ouvert, Monsieur Di Mattia. Restez près de nous pour votre question sur les précisions et perspectives quant à l'organisation des gestes manuels dans le cadre du futur tronc commun polytechnique. Merci Madame la Présidente, je ne bouge pas de mon siège, donc je vous pose ma deuxième question. Dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence, il est prévu d'organiser un tronc commun
polytechnique, qui met des disciplines traditionnelles, ou dites traditionnelles, langues, mathématiques, sciences, sciences humaines, etc., avec des compétences à vocation manuelle et technique. Concrètement, les élèves seront amenés, durant certaines périodes, à mobiliser les savoirs et compétences d'autres disciplines, notamment les sciences et les mathématiques, dans la réalisation d'activités pratiques. Alors, je me permets de faire ce petit détour pour le contexte. Alors, le développement des compétences manuelles, techniques et technologiques au sein du tronc commun participe également à une revalorisation de la filière qualifiée en permettant une orientation qu'on souhaite tous et toutes positive vers celle-ci au terme de la troisième secondaire. Nous le savons, le tronc commun polytechnique va se construire d'année en année avec, et les référentiels seront développés suivant le même agenda. Les référentiels sont ainsi d'application depuis cette année dans le maternel, le seront en première et deuxième primaire en 21-22 pour atteindre progressivement les années suivantes, dont notamment la troisième à l'horizon 28-29. Alors, si cet horizon peut sembler lointain, la future organisation suppose d'importants changements en termes d'infrastructures pour les écoles. Aujourd'hui, de nombreux établissements organisant la deuxième et troisième, les deuxième et troisième degrés du qualifiant possèdent des ateliers propices à l'organisation de travaux pratiques, et donc il n'y a aucun souci, mais ce n'est pas le cas pour des écoles ne dispensant que de l'enseignement général. Quand bien même ces dernières affecteraient un ou plusieurs locaux à destination de travaux pratiques, leur bonne réalisation suppose un aménagement qui ne peut être improvisé, qui doit s'organiser en amont de la mise en œuvre des référentiels du secondaire. Madame la ministre, au regard de ce contexte dans lequel se développeront les gestes manuels tels que décrits dans l'avis numéro 3 du PAC, je souhaite vous interroger sur trois points. Le premier, dans l'état actuel de la préparation du futur tronc commun, est-on déjà en situation de pouvoir illustrer d'exemples concrets des activités manuelles qui seront organisées dans le cadre de ce tronc polytechnique? En deux, comment les écoles d'enseignement général seront-elles amenées à s'organiser pour intégrer les disciplines pratiques, que celles-ci touchent à l'industrie, à la cuisine, à l'artistique ou encore au paramédical? Et en trois, même si les référentiels de cours ne sont pas encore prêts, connaît-on déjà les disciplines qui seront enseignées dans le cadre du tronc commun polytechnique et comment concrètement permettre une orientation positive vers une filière qualifiante si tous les domaines n'ont pas été préalablement approchés? Je vous remercie pour vos réponses. Merci Monsieur Di Mattia, je cède la parole à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Député. Je peux vous rassurer d'emblée, le référentiel de formation manuelle technique, technologique et numérique est prêt et nous avons déjà une idée bien précise de son contenu et de ses orientations. Je dois toutefois préciser que sa construction ne procède pas directement de ce qui se fait actuellement dans les deuxième et troisième degrés de l'enseignement qualifiant, ne procède pas non plus de ce qui se fera dans le secondaire supérieur, puisque c'est encore un chantier qui doit être mené. En réalité, comme pour tous les autres référentiels, l'approche débute par les premières années pour se construire progressivement dans une logique spiralaire au fur et à mesure de l'avancée dans le tronc commun. Conformément à l'esprit de l'avis numéro 3 du pacte, c'est bien la construction d'une culture commune qui est ambitionnée. Cette culture doit, et je me permets de citer l'introduction du référentiel tel qu'en l'état, mettre, je cite, en exergue la reconnaissance universelle de l'ingéniosité, de l'imagination, de l'inventivité de l'homme, dont les réalisations résultent du produit cumulé de gestes maîtrisés et d'interactions constantes en fonction des contextes et des défis à relever. Fin de citation. Tout au long du cursus, l'élève sera progressivement informé de la palette des métiers. Plus encore, il sera amené à s'interroger, à porter un regard critique et une réflexion éthique sur les usages et l'évolution des outils, des techniques, des technologies et du numérique. Il ne s'agira donc pas d'aborder directement les disciplines pratiques, qui seront celles du secondaire supérieur, mais d'avoir les compétences, les savoirs et le savoir-faire pour permettre que le choix de la future filière de qualification soit aussi logique, linéaire et limpide que le choix de la future filière de transition. Les élèves auront donc les outils nécessaires pour pouvoir aborder chaque domaine, même si cette transition doit encore être travaillée. Ils auront pu aborder, si je prends les trois dernières années du tronc commun, les circuits électriques, le bois et l'isolation, le fonctionnement mécanique, l'élaboration d'un repas sur le modèle de l'assiette équilibrée, le travail en équipe ou encore l'organisation d'un espace de travail fonctionnel, sans oublier les contenus relatifs au numérique. Ce nouveau référentiel sera donc une formidable palette qui doit rendre possible tous les choix ultérieurs, sans précéder ce qui fonde la spécificité des filières techniques et qualifiantes. Bien entendu, ce référentiel a été réfléchi
pour permettre à toutes les écoles de pouvoir le mettre en place sans débauche de moyens ou d'investissement. Les concepteurs du référentiel ont poussé le souci du détail jusqu'à lister tout le matériel qui sera nécessaire à la réalisation de ce référentiel. Je peux vous confirmer qu'il sera bien apporté de toutes les écoles. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Di Mattia. Merci, Madame la Ministre. Et je suis impatient, évidemment, de voir avec plus de détails le moment venu la présentation de ces différents différentiels. Je vous remercie également, Madame la Ministre, de rappeler la philosophie dans laquelle s'insère cette réforme, qui est une réforme vraiment copernicienne sa philosophie même. Néanmoins, vous m'excuserez, je suis quand même un peu pratico-pratique. Il y aura forcément quand même des lieux d'atelier, des lieux où on pourra exercer des compétences pratiques. Et bon, voilà, ma question pratico-pratique, elle était à ce niveau-là. Mais peut-être que les choses ne se présenteront pas sous cette forme. Et donc, j'en prends acte aujourd'hui et nous y reviendrons certainement dans les prochains mois. Merci encore. Merci, Monsieur Di Mattia. Nous passons à la question 20 de Madame Maison sur la prise d'indices pour une mission d'investigation de l'inspection. Vous avez la parole, Madame Maison. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, une série d'implantations scolaires du fondamental, mais aussi des arts, récemment été recensées dans un échantillon qui servira de base à une mission d'investigation que le service général de l'inspection s'apprête à mener. Pour le fondamental, les rédacteurs de l'enquête annoncent un double objectif. L'établissement d'un relevé des démarches mises en place par les enseignants de 3e maternelle suite à la fermeture des classes au printemps 2020 et l'évaluation des difficultés et des éventuels préjudices dont souffrent actuellement les élèves de première primaire suite à la rupture dans les apprentissages au cours de l'année scolaire qui précède. Des rencontres avec les directeurs et les titulaires ainsi que des tests purement informatifs en français et en mathématiques pour les élèves de première primaire sont prévus à l'appui de cette étude. Si l'on peut souscrire à la démarche qui consiste à évaluer l'impact de la crise sanitaire sur les compétences de nos plus jeunes élèves, les tableaux à compléter, envoyés par l'inspection dans la foulée du courrier informant les écoles sélectionnées de la démarche, ont interpellé bon nombre d'enseignants. Certaines informations ne posent pas de problème, comme la langue parlée à la maison, par exemple. Mais d'autres questions, relatives à la situation socio-économique des élèves, classés en, je cite, « précaires-pauvres », ordinaire, aisé, très aisé, leur paraissent tout à fait inadéquates et non susceptibles d'être justement appréciées par le titulaire. Concernant les arts, la mission d'inspection semble consister dans le constat et la notification des mesures et actions qui ont été instaurées lors du confinement de printemps dernier, ainsi que celles qui sont actuellement mises en place pour assurer la continuité des apprentissages lorsque certaines classes sont scindées en bulles. Les pratiques des enseignants sont ainsi questionnées. Alors, j'en viens à mes questions. Êtes-vous, Madame la Ministre, à l'origine de cette enquête ou l'initiative vient-elle du Service général de l'inspection? Concernant certaines des questions posées aux enseignants de maternelle et de première primaire à propos de leurs élèves, des retours de terrain les qualifient de choquantes, intrusives, stigmatisantes, subjectives quant à certains critères ou encore non pertinentes quant à l'appréciation des lacunes liées à la pandémie. Comment recevez-vous ces commentaires? Enfin, à propos de l'enquête de l'inspection ESAR, d'autres questions se posent. Étant placé en dispense de service lors du premier confinement, est-il adéquat d'inspecter les enseignants de l'ESAR pour cette période? La démarche a-t-elle été initiée dans le cadre du GT ESAR sur l'enseignement hybride? Je vous remercie déjà pour les réponses que vous apporterez à ces questions. Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Merci, Madame la présidente. Madame la députée, pendant cette crise sanitaire, les équipes éducatives ont été durement éprouvées et font toujours face à d'importantes difficultés organisationnelles. Les enseignants ont dû réinventer leur métier, se familiariser avec des nouveaux outils informatiques et créer de nouveaux supports de cours. Les élèves, des plus jeunes aux plus âgés, ont eux aussi été lourdement impactés par le confinement et l'enseignement en hybridation, et ils continuent malheureusement de l'être. De manière à mieux appréhender les difficultés rencontrées sur le terrain, mais aussi mettre en valeur les bonnes pratiques qui ont émergé dans cette situation inédite, j'ai en effet mandaté le Service général de l'inspection de procéder à une évaluation transversale afin de recenser la manière dont les établissements scolaires ont mené leurs activités de mars à juin 2020. L'objectif de la prise d'indices dans les classes de 3e maternelle et de 1e primaire est double. Il s'agit tout d'abord d'évaluer l'impact de la non-fréquentation scolaire sur les compétences et les apprentissages des élèves,
mais également dans un second temps d'apporter des informations sur les profils des élèves les plus touchés par l'absence de scolarisation durant cette période. Cette enquête vise ainsi à prélever, sans a priori évidemment, un éventail large de données et d'indicateurs sur les élèves les plus impactés. Grâce à cela, nous pourrons envisager les mesures les plus adéquates pour répondre aux problématiques soulevées et vécues. Par ailleurs, les directions ont été clairement informées qu'il ne s'agissait pas d'une mission d'inspection classique, mais bien d'une évaluation dans le cadre du premier confinement. Quasi toutes ont manifesté leur satisfaction de collaborer à cette enquête. Seule une école n'a pas répondu au questionnaire. Concernant l'enseignement artistique secondaire horaire réduit, la mission n'est pas en lien avec celle initiée dans le cadre du groupe de travail spécifique centré sur la thématique du théâtre, voix, chant, souffle, mouvement. Elle fait bien partie de la mission d'évaluation transversale précitée. Même si la dispense de service a concerné tous les enseignants de l'ESAR, certains ont entrepris, vous le savez parce que vous en avez souvent parlé, de manière spontanée et volontaire des activités pour garder des contacts avec leurs élèves. Rendre compte du suivi pédagogique mis en œuvre par ceux-ci dans cette période difficile constitue par ailleurs, me semble-t-il, une reconnaissance d'un travail fourni de manière totalement résolue et courageuse par les enseignants de l'ESAR. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Maison, pour votre réplique. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour vos réponses. Vous le savez, toute mesure d'évaluation est toujours appréhendée par mes soins de façon positive. Cependant, je l'ignorais et je n'ai rien inventé. Et donc, ce sont des retours de terrain d'instituts qui m'ont dit, qui m'ont montré les documents et qui m'ont dit, ça nous semble choquant. Il y a certaines des questions qui nous paraissent libellées de manière assez intrusive et peut-être non pertinente. D'une part, j'arrive pas à y répondre. D'autre part, je trouve que les questions sont formulées de façon peut-être brutale ou indélicate, ou en tout cas avec une terminologie inadéquate. Voilà, ça c'était le ressenti du terrain et je me suis permis de vous le relayer. Voilà, vous en ferez ce que vous voudrez, mais je trouvais important de le signaler. Concernant les arts, je vous remercie pour vos éclaircissements. C'est vrai, je l'ai dit à de nombreuses reprises, bien que déclaré en dispense de service assez tardivement, ces enseignants ont pour la plupart fait preuve de beaucoup de créativité et ont essayé de maintenir les cours d'une façon originale et avec des bouts de ficelle finalement et en faisant preuve de beaucoup d'originalité de responsabilité professionnelle par rapport à leurs élèves et par rapport à la charge dont ils sont investis. Et donc, évidemment, la manière dont vous présentez les choses est positive. Mais il y a toujours des appréhensions parce qu'ils ont un peu l'impression que c'est la double peine. D'une part, ils ont été un peu ignorés et puis on comprend, c'était d'abord l'enseignement obligatoire et puis tout le monde était sidéré. Mais bon, ils sont déclarés en dispense de service et puis on leur colle une inspection, même si maintenant, avec vos explications, les choses sont ressenties autrement et je les perçois de cette manière, vous viendrez avec moi que ça peut être ressenti de façon bizarre. Puisque à la fois on leur demande, on leur dit voilà, vous ne devez pas travailler, à la fois on leur propose une inspection. Donc voilà, les choses sont plus claires maintenant. Sans doute étaient-elles claires pour un certain nombre d'acteurs, mais pas pour tous. Et donc voilà, vous les avez éclaircies. Et je pense que dans cette perspective-là, on peut travailler et ils peuvent travailler de manière et sans appréhension. Merci Madame Maison. Nous passons à la question 21 de Madame Chabert sur l'accompagnement des élèves de 6e secondaire dans la clôture de leur parcours scolaire. Vous avez la parole, Madame Chabert. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, le contexte actuel, on en a beaucoup parlé, mais il a contribué aussi à l'affaiblissement aussi d'ailleurs, du lien entre les élèves et le système éducatif. L'impact est lourd pour les élèves, à la fois sur leurs apprentissages, mais aussi sur leur santé mentale, on en a beaucoup parlé. Et ces constats concernent beaucoup des élèves, mais je pense qu'ils les touchent différemment selon qu'ils sont en début ou en fin de scolarité. Et j'ai rencontré beaucoup d'élèves de 6e secondaire qui clôturent leur parcours donc, du secondaire et qui vont devoir opérer des choix pour leur avenir. Et ces jeunes sont inquiets, ils vont devoir poursuivre un cursus dans l'enseignement supérieur pour ceux qui en auront fait le choix, ou intégrer le monde du travail, et ça n'est pas évident dans ce contexte-là de s'orienter dans une voie ou dans l'autre. Dans les deux cas, les élèves ont plus que jamais besoin de repères et d'être accompagnés dans cette transition. Au niveau pédagogique, notamment pour ceux qui vont faire leurs études, et puis aussi, et surtout j'ai envie de dire, à un niveau plus psychosocial pour ceux qui décident de se diriger vers le marché de l'emploi. Alors, pour mon groupe et pour moi, on ne pouvait pas faire l'économie de cet accompagnement.
Il me semble qu'il est vraiment important de prendre en considération les effets de la crise Covid sur les acquis des élèves ainsi que sur leur confiance en eux pour aborder la suite. Et donc, j'en viens à mes questions. La transition des élèves de dernière année dans le contexte de crise, est-ce que c'est une question qui est intégrée spécifiquement dans la gestion des établissements scolaires et si oui, de quelle manière ? Existe-t-il un dispositif d'accompagnement particulier pour les élèves qui ont décidé d'intégrer le marché du travail ? Est-ce que des contacts sont pris entre les régions et les organismes régionaux de l'emploi, je pense à Actiris à Bruxelles et au Forum en région Wallonne, pour accompagner spécifiquement, les jeunes qui vont sortir des études cette année, en 2021 ? Et enfin, est-ce que vous avez connaissance d'initiatives qui visent à déstigmatiser des jeunes qui vont sortir de l'école en 2021 auprès des employeurs, parce que c'est quand même une sacrée année et c'est vraiment difficile pour ces jeunes ce passage à ce moment-là. Je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame Chabert, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la Députée. Je suis consciente de la situation particulièrement complexe dans laquelle ces jeunes arrivent au terme de leur cursus scolaire au sein de l'enseignement obligatoire. Si cette question de la transition vers l'enseignement supérieur se pose déjà en situation normale, elle est évidemment encore plus aiguë en cette période de crise sanitaire. L'année dernière, nous avions, ma collègue Valérie Glatigny et moi-même, attiré l'attention des équipes pédagogiques sur les difficultés que risquaient de rencontrer nos apprenants. Il est évident que toutes les recommandations formulées sur ce sujet restent malheureusement d'actualité. Par ailleurs, les dispositifs d'accompagnement des élèves en fin de parcours scolaire restent des initiatives des écoles établies avec leurs pouvoirs organisateurs et les chefs d'établissement. Plusieurs écoles proposent ainsi des formules adaptées de leurs dispositifs d'orientation en invitant leurs élèves à des séances d'information en distanciel sur les choix d'études ou en organisant des après-midi de découverte des métiers dans des salons virtuels de discussion où peuvent se rencontrer des élèves et des professionnels sur le modèle du speed dating. Par ailleurs, des universités et des hautes écoles proposent des séances d'information, des journées portes ouvertes en ligne auxquelles les élèves sont invités à s'inscrire. Lorsque ces événements ne sont pas organisés durant le temps scolaire, il appartient aux membres des équipes éducatives en charge de l'orientation de se charger de l'organisation de l'inscription de classes ou de groupes entiers. Certaines activités sont également organisées au sein des instances bassin, enseignement, formation, emploi, mais force est de constater que ces activités ne sont pas systématiquement référencées dans un cadastre et il m'est dès lors difficile de vous en rendre compte de manière plus exhaustive. Quant à une possible stigmatisation des élèves récemment diplômés ou futurs diplômés au terme de cette année scolaire, même si les acquis et les compétences prévues dans les référentiels et les programmes n'auront peut-être pas tous été abordés en classe, des compétences génériques, soft skills telles que la capacité d'organisation, l'autonomie, le sens des responsabilités ou encore la créativité constitueront des atouts majeurs dans la poursuite de leur insertion socioprofessionnelle. Ces atouts seront, j'en suis certaine, reconnus auprès de tout employeur. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Madame Chabert. Oui, mais je vous remercie, Madame la Ministre. C'est vrai que j'ai rencontré dernièrement encore le CEF, hein, des élèves francophones qui sont vraiment inquiets pour ces jeunes qui vont sortir du secondaire cette année. J'entends que des formules adaptées sur l'orientation existent et j'ai vu des établissements être vraiment très proactifs par rapport au sujet, d'autres beaucoup. Je sais que vous n'y pouvez rien. On n'a pas de cadastre, en effet, sur des pratiques qui ont lieu particulièrement cette année. Et c'est vrai que cette question de la déstigmatisation de ces gens, pas hélas dans vos mains, elle est dans les mains de tout le monde. Je pense que c'est important que les élèves 2021 ne soient pas tamponnés du sceau d'une infamie parce qu'ils auraient été dans une année pas complète. Vous l'avez dit, l'essentiel des compétences est acquis s'ils ont eu leur examen de fin d'année. Donc, on compte sur la bonne volonté de tout le monde pour accompagner ces jeunes, soit vers l'emploi, soit vers les études supérieures. Merci, Madame Chabert. Madame Chabert, est-ce que je peux vous demander de reprendre le relais quelques petites minutes, puisque je dois quitter la commission. Merci beaucoup. Bien sûr. Et donc, je passe maintenant la parole à Madame Sabine Roberti pour sa question concernant le renforcement de l'éducation à la sécurité routière dans les écoles. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, dans le cadre des Assises de la sécurité routière, Valérie Debut, ministre wallonne en charge notamment de la sécurité routière, a annoncé 10 grandes mesures destinées à rendre nos routes plus sûres pour tous les usagers. Parmi ces mesures, il y en a une qui vise à renforcer l'éducation à la sécurité routière dès le plus jeune âge, notamment au travers de partenariats avec les écoles. Le projet précise que cela doit commencer dès l'école primaire,
continuer en secondaire, voire après en supérieur. Cette formation continue est une stratégie à long terme. C'est toute une nouvelle génération que l'on souhaite sensibiliser de la sorte. Ainsi, plusieurs brevets sont prévus. Le brevet piéton, qui pourra être mis en place en début de primaire et déjà lors de la prochaine rentrée scolaire de septembre 2021, avec une généralisation complète en 2030, après formation des institutrices et des instituteurs. Un élargissement du brevet du cycliste en fin de primaire avec une généralisation complète en 2030, après formation des instituteurs et des instituteurs. La création et l'implémentation du brevet d'une route partagée dans le secondaire dès 2023. La sensibilisation dès le plus jeune âge et l'attention aux nouveaux modes de déplacement est indispensable, fondamentale. Et je me réjouis qu'une attention toute particulière y soit réservée. Alors, Madame la Ministre, voici mes questions. La mise en œuvre de ces mesures qui visent vos compétences demandera une collaboration étroite entre vous et votre collègue en charge de la sécurité routière en Wallonie. Cette collaboration a-t-elle déjà été initiée? Dans l'affirmative, quels sont les premiers retours? On le sait, il existe des ASBL qui sont déjà actives dans les écoles, des associations expérimentées, expertes en la matière, et dont l'éducation à la sécurité routière est le métier principal. Personnellement, je pense que leur expertise en la matière ne peut être qu'un plus pour les élèves du maternel jusqu'en secondaire, pour les enseignants également. À ce sujet, disposez-vous d'un cadastre des ASBL, des associations en question, actives dans les écoles de notre Fédération Wallonie-Bruxelles? Seront-elles toujours bien associées à ce renforcement des connaissances et des apprentissages? Je vous remercie pour vos réponses. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Je suis bien en contact avec les ministres Wallon, Henri et Debu dans le cadre du programme Wallon Fast 2030 visant à augmenter la part modale de la marche et du vélo. Les réflexions régionales portent sur diverses propositions et notamment l'implémentation du brevet piéton. Je reste à l'entière disposition de mes collègues pour collaborer utilement à ce projet. Quant à la sensibilisation à l'éducation, à la mobilité et à la sécurité routière dans les écoles, la Wallonie propose un large éventail d'outils sur cette thématique. Plus spécifiquement, à destination des établissements d'enseignement, une valise pédagogique virtuelle rassemble les outils les plus pertinents et les plus attractifs. Ils sont en grande majorité téléchargeables en ligne. La plateforme met également à disposition un répertoire d'associations qui proposent aux écoles des animations en mobilité et ou en sécurité routière. Chaque animation est présentée sous forme de fiches synthétiques précisant l'âge des élèves concernés, les modes de déplacement, la durée, le coût éventuel, etc. Pour ce qui concerne la région de Bruxelles-Capitale, des actions de sensibilisation et d'éducation sont soutenues ou directement organisées par Bruxelles Mobilité, comme le brevet du piéton et le brevet du cycliste pour les plus jeunes, la mobilité 12. Les associations actives dans la sensibilisation à l'éducation, à la mobilité et à la sécurité routière font partie intégrante des dispositifs régionaux et je ne doute pas qu'elles seront concertées dans les projets à venir. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Madame la députée, pour votre réplique. Je vous remercie pour l'ensemble de vos réponses. J'ai été personnellement assez interpellée par cette proposition de la ministre Debu. J'ai eu l'occasion d'évoquer la problématique avec elle, parce que la sécurité routière et la protection des enfants sur nos routes, c'est fondamental, d'autant plus qu'aujourd'hui, ils vont devoir apprendre à prendre le vélo, peut-être le roller, peut-être les trottinettes, peu importe. C'est quelque chose c'est un peu fun pour eux d'utiliser ces modes doux-là. Et je voulais vous rappeler que vous octroyez des points APE à une ASBL, à une association qui s'appelle La Paire Royale Wallonie, qui œuvre dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui donne déjà justement des cours de sécurité routière du maternel jusqu'au secondaire. Je disais, des ASBL, il en existe d'autres, actives, expertes en la matière. Et je pense que c'est des gens qui travaillent qui sous contrat APE et donc ils ont des vrais contrats de travail renouvelés d'année en année. Et il ne faudrait pas se passer de leur expertise en la matière. Ils apportent un vrai plus parce que c'est eux qui sortent sur la route avec les enfants pour leur apprendre sur la route les dangers, les sons, les bruits auxquels ils doivent être tous et toutes attentifs. Et voilà, les enseignants
Ils ont déjà une part énorme dans les apprentissages. Et ce que font ce type de société, j'ai cité la peur, mais il y en a d'autres également, ils travaillent en règle générale en partenariat. Et c'est ensemble qu'ils construisent les apprentissages, parce qu'ils délivrent toute une série de connaissances aux enfants et aux enseignants que les enseignants peuvent reprendre eux-mêmes et continuer toute l'année. Parce que apprendre la sécurité routière, c'est apprendre les distances, par exemple. Je ne vais citer que cet exemple-là. On apprend les distances, donc on travaille les mathématiques et la géométrie. Et donc, des connaissances qui démarrent de la sécurité routière, l'enseignant, l'enseignante peut, lui, rebondir sur des matières d'éveil, même, peu importe. Donc voilà, je vous remercie pour vos réponses. Et en tout cas, n'oublions pas que nous avons des associations qui sont parrainées et financées par la Fédération. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, tout d'abord, un court message vis-à-vis des services pour leur dire que je me réfère à ma question dans sa version écrite, et notamment pour la première partie, parce que, en effet, lire quelques lignes de code, c'est particulièrement malaisé, même en vidéoconférence. Donc, je me suis permis, en fait, cette petite ligne de code, une production personnelle en PHP, c'est un langage open source qui est utilisé dans le monde du web, et elle mesure simplement les compétences numériques des élèves qui s'incrémentent dès lors que des cours de codage existent. Le code, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et j'en viens à ma question. Le reportage de TVLux du 9 mars présente une très belle initiative et assez concrète développée par l'Institut Saint-Joseph de Neuchâtel, où des élèves de 5e primaire se passionnent pour le codage. Cette école a mis en place, sur les temps de midi et en remplacement des cours d'informatique, des sessions de codage ludique. Et c'est une franche réussite car des passions se révèlent pour des métiers d'avenir. Cette école avait introduit un dossier école numérique auprès de Digital Wallonia pour acquérir le matériel, on parle ici de robots, et bien sûr les applications de codage, et elle a donc mis à profit cet appel à projet. C'est bien sûr sur les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles que je vous interroge aujourd'hui. Avez-vous un suivi via la région Wallonne des projets mis en place? On parle de 2400 équipes pédagogiques qui sont équipées depuis le lancement du programme École numérique. Et surtout, quelle est l'articulation entre les programmes scolaires et cette initiative concrète? Quelle place prendra le codage ludique ou plus avancé dans les futurs référentiels? Quel partenariat possible avec des structures externes au monde de l'école? Alors, il y a Digital Wallonia, bien entendu, mais je pense aussi éventuellement aux EPN, à des Fab Labs locaux. Et donc, dans la perspective également des rythmes, de la réforme des rythmes journaliers, ce type de partenariat aurait sans doute également un sens pour amener ces partenariats dans les écoles pour mener ces projets ludiques, mais aussi instructifs. Est-ce que les enseignants estiment avoir le niveau requis pour s'approprier de tels logiciels éducatifs? Se sentent-ils capables de produire des ressources numériques pédagogiques? Et bien entendu, le corollaire de cette question, est-ce que des formations de qualité et en quantité sont prévues afin de les outiller? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre, pour vos réponses. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, la Fédération Wallonie-Bruxelles est depuis plusieurs années déjà un partenaire clé dans les projets écoles numériques. En effet, chaque année, la région Wallonne, en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la communauté germanophone, lance un appel à projet pour de l'équipement couplé d'une approche pédagogique, et ce pour tous les niveaux de l'enseignement fondamental, secondaire et de promotion sociale de niveau secondaire. La Fédération Wallonie-Bruxelles, en tant que responsable des volets pédagogiques, a participé à l'élaboration des appels à projets, aux séances d'information des lauréats, à l'élaboration des critères de sélection, à l'évaluation des projets et au suivi pédagogique de ceux-ci. Citons notamment la mise à disposition de Capital Période à concurrence de 2 unités de NTTP par implantation lauréate, afin d'assurer la coordination et ainsi faciliter la mise en œuvre des projets numériques au sein de l'établissement. S'agissant plus fondamentalement des compétences numériques, il importe de rappeler la volonté de mettre en place de nouveaux référentiels adaptés aux exigences d'une formation commune des citoyennes et des citoyens du XXIe siècle. L'un de ces référentiels portera spécifiquement sur la formation manuelle, technique, technologique et numérique, ceci afin de permettre aux jeunes de demain d'acquérir des connaissances et des compétences qui ne sont pas suffisamment enseignées dans le parcours scolaire aujourd'hui. Ce référentiel devrait fixer pour le numérique des attendus spécifiques à partir de la 3e année primaire. L'un des objectifs poursuit l'appréhension des notions de logigramme et de programmation au travers d'exercices simples de lecture et d'écriture, permettant ainsi à l'élève de développer sa pensée informatique et algorithmique. Dans cette perspective, les partenariats que vous évoquez pourraient en effet s'avérer pertinents. Enfin, s'agissant de savoir si les enseignants s'estiment compétents en matière de numérique,
Notons qu'en 2018, selon l'enquête Thalys, seuls 20% des enseignants se sentaient préparés aux usages pédagogiques numériques. Les résultats illustrent que, hormis pour le codage, assez peu d'enseignants estiment n'avoir aucune connaissance du numérique. Toutefois, près de 6 enseignants sur 10 déclarent seulement se débrouiller, tant avec les savoir-faire techniques qu'avec les usages pédagogiques, et seuls 27% se déclarent avoir de bonnes connaissances. Consciente de ces constats, la formation continue est en cours de réforme. Ainsi, le numérique en tant qu'objet et modalité d'apprentissage, il pourra y occuper une part importante en vue d'augmenter la qualité et la quantité de l'offre de formation continue dans ce domaine. Ça me permet de rajouter que peut-être une nouvelle enquête sur ce sujet permettrait de voir que des enseignants avec cette crise ont quand même dû s'y mettre et peut-être que la perception qu'ils ont d'eux-mêmes de leurs compétences s'en verra différente. Donc on verra ça dans les prochaines années. Je vous remercie. Merci. Monsieur Florent, vous avez la parole pour votre réplique. Oui, merci pour vos réponses. Ce que je trouvais remarquable dans l'expérience de cette école à Neuchâtel, c'était son côté concret. Parce que souvent, c'est vrai que les cours de codage ont un côté très abstrait. La pensée algorithmique, informatique, c'est quelque chose qu'on ne touche pas. Et pour des enfants de primaire, singulièrement, c'est important aussi de voir. Et je trouve à ce niveau-là que c'est une expérience assez intéressante parce que les enfants entrent via le jeu finalement, hein, mais entrent dans la pensée algorithmique, dans l'informatique, dans le codage, et puis voient directement le fruit de leur travail. Je trouve que c'est des expériences très intéressantes et je vous rejoins tout à fait. Je pense que cette crise qui a contraint les professeurs à rentrer un peu plus dans les outils numériques aura sans doute aussi comme vertu d'avoir augmenté un peu les compétences ou l'intérêt pour l'informatique et le numérique. On verra effectivement dans quelques années si les choses s'améliorent. Je suis en tout cas content que des partenariats existent déjà et de l'implication de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les projets de Digital Wallonia. Merci, monsieur le député. Je passe maintenant la parole à monsieur Kerkhoff pour sa question sur les orientations abusives vers l'enseignement spécialisé. Et je passerai ensuite la parole à monsieur Marois qui a une question. Monsieur Kerkhoff, vous avez la parole. Si, merci, madame la présidente. Madame la ministre, un article récent faisait allusion à une déclaration de la Ligue des droits de l'enfant à propos d'orientation abusive dans l'enseignement spécialisé en communauté française. Une analyse réalisée par cette association, disponible sur son site internet, permet d'en savoir un peu plus. En effet, si on compare les chiffres de fréquentation de l'enseignement spécialisé entre l'année scolaire 1980 et l'année scolaire 2017-18, à savoir la plus récente année dont les chiffres sont complètement disponibles, on constate de sérieuses augmentations. Celles-ci sont respectivement de 58,3% pour le type 1, de 30,6% pour le type 3, et de 31,4% pour le type. Il est à noter que ces pourcentages sont corrigés à partir des augmentations absolues en tenant compte des effets dus à la démographie. Autrement dit, ce sont des augmentations réelles qui ne sont pas dues à corriger des effets démographiques. Ces trois types correspondent à des handicaps intellectuels légers et à des troubles d'apprentissage ou comportementaux. Ces chiffres sont évidemment très interpellants car personne ne peut imaginer que le pourcentage d'élèves souffrant de handicap a pu changer de manière aussi spectaculaire en une vingtaine d'années. Et ceci conforte donc la thèse développée par l'association. Il semble que des orientations abusives vers le spécialisé sont en augmentation. C'est d'autant plus inacceptable que ce sont souvent, semble-t-il, des jeunes issus de milieux sociaux défavorisés qui subissent ces orientations abusives. Se retrouvent donc dans un système d'enseignement qui ne leur est a priori pas du tout destiné et qui leur ferme évidemment certaines portes. Et ils gonflent par là même les effectifs du spécialisé, ce qui est à la fois inutile et pénalisant pour ceux qui en ont vraiment besoin. Mes questions sont donc les suivantes. Avez-vous pris connaissance de cette analyse de la Ligue des droits de l'enfant? Avez-vous pu vérifier que les éléments avancés dans cette analyse sont pertinents? Et enfin, des pistes sont-elles à l'étude à ces orientations abusive. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je passe maintenant la parole à monsieur Marois pour sa question sur les orientations abusives et injustifiées vers l'enseignement spécialisé. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci, madame la présidente, et bonjour à vous, madame la ministre. Dans une de ses dernières analyses, la Ligue des droits de l'enfant dénonce en effet les orientations abusives d'enfants ne présentant aucun handicap vers l'enseignement spécialisé. En réalité, les difficultés de ces enfants mal orientés
sont essentiellement sociales. Ce sont des enfants vivant dans la grande pauvreté ou ne possédant pas la langue de l'école, qui ont besoin de plus de temps pour apprendre ou qui connaissent d'autres problèmes qui touchent essentiellement à leur statut social. Le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est pourtant clair, je cite, « L'enseignement spécialisé est destiné aux enfants et aux adolescents qui, sur la base d'un examen pluridisciplinaire, doivent bénéficier d'un enseignement adapté en raison de leurs besoins spécifiques et de leurs possibilités pédagogiques. » Fin de citation. Or, selon la Ligue des droits de l'enfant, ces enfants n'ont ni besoins spécifiques, aucun examen multidisciplinaire ne leur a détecté le moindre handicap, et leurs possibilités pédagogiques ne sont pas moins bonnes que celles des autres élèves de l'enseignement ordinaire. La conclusion de l'analyse est donc assez sévère. En Fédération Wallonie-Bruxelles, l'école oriente inadéquatement, de nombreux enfants issus de milieux défavorisés vers l'enseignement spécialisé. Et vous le savez, Madame la Ministre, je m'intéresse fortement à cette question de l'enseignement spécialisé parce que je suis moi-même papa d'un enfant dyslexique qui a été amené à fréquenter l'enseignement spécialisé. J'ai donc une expérience de père de famille dont l'enfant est resté pendant de nombreuses années. Et c'est vrai, ça remonte maintenant, ça commence à remonter puisque il est entré maintenant dans l'enseignement supérieur, le fiston. À l'époque, dans les écoles qu'il a fréquentées, le personnel me disait souvent qu'il y avait un tas d'élèves qui étaient dans le spécialisé qui ne devraient pas s'y retrouver. Mais voilà, il y a le réflexe dans certaines écoles classiques à pousser sur la touche éjecte et envoyer ces enfants qui connaissent quelques difficultés d'apprentissage, de les envoyer vers le spécialisé. Vous savez, Madame la Ministre, comment ces enseignants les avaient baptisés avec affection, des handicapés sociaux. C'est comme ça qu'on appelait ces enfants qui étaient inadéquatement orientés vers le spécialisé. Or, une fois qu'un élève entre dans l'enseignement spécialisé, il va bien souvent y rester et il n'en sortira, heureusement pas toujours, qu'avec un diplôme de l'enseignement qualifiant spécialisé. Ces enfants seront alors souvent considérés comme sous-qualifiés et donc forcément sous-payés. Ils seront coincés dans leur statut socio-économique. Madame la Ministre, l'égalité des possibles et l'émancipation des individus sont des valeurs essentielles à mes yeux. En Fédération Wallonie-Bruxelles, 38 000 enfants sont scolarisés dans l'enseignement spécialisé. Cela représente 4,1% des enfants, alors que la moyenne européenne est de 1,54%, si mes sources sont bonnes. En l'espace de 20 ans, la Ligue des droits de l'enfant constate, mon collègue en a parlé, une augmentation de 58,2% d'orientation d'élèves d'origine socio-économique faible vers l'enseignement spécialisé. Comment réagissez-vous face à ces chiffres? Quelle analyse en faites-vous? Quelle est votre réaction? Comment éviter, évidemment, c'est la question principale, toutes ces dérives? Selon le rapport de la Ligue des droits de l'enfant, trop peu d'écoles forment leur corps professoral à enseigner aux élèves de milieux populaires. Comment pourrait-on mieux former les enseignants à prendre en compte les difficultés socio-économiques de leurs élèves? Des formations en cours de carrière pour les enseignants sont-elles prévues? Début janvier, vous abordiez la réforme de l'orientation et le changement de paradigme qu'elle veut amener. Elle irait à l'encontre du phénomène d'orientation par relégation et implique une communication positive concernant l'enseignement spécialisé. La problématique soulevée par la Ligue des droits de l'enfant a-t-elle été prise en compte? Où en sont ces travaux? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole pour vos réponses. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les députés, si vous me le permettez, je souhaite d'abord apporter un autre éclairage aux chiffres d'augmentation des populations dans l'enseignement spécialisé que vous citez dans vos questions. Parce que, et vous allez le comprendre, je pense qu'il est erroné de le considérer comme le reflet d'orientation abusive vers le spécialisé, ou en tout cas pas abusive au sens où vous l'entendez. Cette augmentation statistique est surtout et majoritairement le reflet d'une évolution questionnante du système de l'intégration temporaire totale. Depuis 2009, celui-ci a permis à de nombreux élèves à besoins spécifiques d'être scolarisés dans l'enseignement ordinaire. En effet, pour bénéficier de l'intégration temporaire totale, les élèves devaient préalablement être inscrits et donc, entre guillemets, orientés
vers l'enseignement spécialisé. Mais cette inscription et donc cette comptabilisation dans les chiffres du spécialisé étaient en réalité artificielles, puisque ces élèves étaient en pratique scolarisés dans l'enseignement ordinaire, mais en bénéficiant de l'accompagnement généré par les périodes de l'ITT. Quant à la question de l'orientation qui serait vraiment abusive vers le spécialisé, je vais vous rappeler que cette orientation est subordonnée à la rédaction d'un rapport d'inscription qui donnera lieu à une attestation et à un protocole justificatif, documents qui préciseront les besoins des élèves. Ces examens sont effectués par des centres agréés et donc je ne peux bien sûr pas douter de leur intégrité. Mais évidemment, ceci ne remet pas en question le constat qui est mis en évidence dans le diagnostic du pacte, que notre système scolaire sépare historiquement et bien plus que dans d'autres pays les élèves en fonction de leurs profils psychosociaux, de leur type d'intelligence, de leur origine sociale et de leurs résultats scolaires. Et c'est justement un des objectifs du pacte, d'opposer à ce modèle historique un modèle d'école inclusive dans le cadre duquel le décloisonnement de l'enseignement ordinaire et de l'enseignement spécialisé occupe une place centrale. La création des pôles territoriaux vise donc à substituer à ce mécanisme de l'intégration dont je viens de vous parler, un dispositif qui va à la fois permettre d'assurer la prise en charge des élèves à besoins spécifiques sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et au sein de l'ensemble des écoles, mais aussi de permettre d'assurer une maîtrise efficiente des ressources consacrées à ce dispositif par rapport aux objectifs poursuivis. Comme je l'ai déjà dit, ma priorité est bien que chaque élève puisse être accompagné avec un soutien adapté pour lui permettre, dès son plus jeune âge, de prendre sa place dans la société en tant que citoyen. Par ailleurs, je suis avec attention les travaux de la réforme initiale des enseignants, car c'est évidemment une pièce du puzzle essentielle dans la construction d'une école plus inclusive. Les pôles territoriaux auront également des missions d'information, d'accompagnement et de soutien des équipes éducatives dans le cadre des aménagements raisonnables et de l'intégration. L'IFC et les fédérations de pouvoirs organisateurs ont également un rôle à jouer en proposant des modules de formation en adéquation avec ce changement de paradigme. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Kerkhoff, vous avez la parole pour votre réplique. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre, pour vos réponses. J'entends bien la remarque que vous faites sur les élèves à besoins spécifiques qui sont intégrés dans l'ordinaire et qui donc, évidemment, intellectuellement, je peux comprendre ça. Et je veux bien admettre qu'il y en a qu'une partie des chiffres qui sont mentionnés dans l'article et dans le document signalé correspondent à ça. Néanmoins, M. Marois, d'ailleurs, le disait aussi, lorsqu'on interroge les enseignants du spécialisé, il n'en reste pas moins vrai que de manière très, très large, ils ont ce sentiment, et je ne pense pas que c'est juste un sentiment, qu'il y a des jeunes qui se retrouvent dans l'enseignement spécialisé et qui ne devraient pas s'y retrouver, et que ces jeunes sont quasiment tous issus de milieux sociaux défavorisés. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire par rapport à ça. Je vous rejoins sur le fait qu'évidemment une partie de la solution vient de la réforme de la formation initiale des enseignants. Monsieur Marois disait que dans certaines écoles, on essayait de mieux former les enseignants pour que, dans le cas de formation continue, pour qu'ils puissent mieux prendre en charge les élèves à difficulté sans systématiquement les orienter vers le spécialisé. Ça n'est évidemment pas acceptable que ce genre de choses soit de la responsabilité des écoles. Je pense que dans la grande majorité des cas, les orientations, même si elles sont abusives, ne sont pas malveillantes. Je pense que les enseignants sont simplement démunis devant certaines situations et je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je passe maintenant la parole à monsieur Marois pour sa réplique. Je remercie la ministre pour les réponses et comme mon collègue, je prends bonne note de l'éclairage différent que vous apportez, madame la ministre, sur les chiffres. C'est vrai qu'il y a toute une série d'élèves qui sont dans l'enseignement ordinaire, mais qui dépendent administrativement de l'enseignement spécialisé parce qu'ils suivent ce parcours d'intégration qui est temporaire ou permanent. Mais il n'empêche, il y a, madame la ministre, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, toute une série de jeunes qui se trouvent dans l'enseignement spécialisé et qui ne devraient pas s'y trouver. Je pense en particulier au type 8, parce que c'est des diagnostics assez compliqués à poser, hein, à partir de quand un gamin souffre-t-il de troubles de l'attention.
Moi, je ne peux partager, je ne suis pas un spécialiste des sciences de l'éducation, je ne peux partager que mon expérience de père de famille et qui a, je peux vous dire, pendant de très nombreuses années, été confronté à un véritable parcours du combattant. Je me suis beaucoup renseigné avec mon épouse, on a rencontré des tas d'associations, de professeurs, des spécialistes de ces questions-là. Il y a encore le réflexe d'orienter. Alors, est-ce que c'est malveillant? Sans doute que non, mais d'orienter vers le spécialisé quand un gamin connaît des difficultés. J'attends beaucoup de la réforme pour aller vers une école plus inclusive et aussi de la formation initiale des enseignants, parce que là aussi, et j'en connais certains vraiment très très bien, de ces enseignants qui en fait n'ont jamais entendu parler au cours de leur formation de ce qu'est un enfant dyslexique ou dysphasique, par exemple. Heureusement, ça commence à changer. Je pense que l'un des enjeux, vous avez raison, il est là. Allez, soyons positifs, ça va dans le bon sens. Merci, monsieur le député. Je passe maintenant la parole à madame Françoise Mathieu pour sa question sur l'éventuel accord de coopération en matière d'enseignement numérique. Vous avez la parole. Bonjour, madame la présidente. Bonjour, madame la ministre. Madame la ministre, dans une réponse du 23 juin 2020, vous annonciez qu'une collaboration avec la région wallonne serait utile et fructueuse pour les écoles en matière de numérique. Vous indiquiez qu'un nouvel accord de coopération devrait être inclus pour que les moyens mis en disposition s'inscrit pleinement dans la stratégie numérique pour l'éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles et dans le pacte pour un enseignement d'excellence. Où en est ce projet d'accord de coopération? À l'instar de l'accord de coopération de 2005 portant sur la cyberclasse qui a permis la mise en place de 38 500 ordinateurs ou à l'éducation relative de l'environnement ERE et au développement durable DD, un comité de pilotage sera-t-il mis en place? Comment la coopération se présentera? Vous annonciez également avoir pris contact avec le gouvernement bruxellois. Qu'en est-il concrètement ressorti? Merci, madame la ministre. Madame la ministre, vous avez la parole pour vos réponses. Merci, madame la présidente. J'avais préparé une réponse conjointe aux questions de madame Mathieu et de madame Nicolic, qui n'est pas là. Donc, pardonnez-moi si je réponds à plus de questions que ce qui a été posé, mais tout est mis dans la même réponse. Alors, Madame la députée, un premier gouvernement conjoint, Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles, s'est réuni il y a 2 semaines afin notamment de coordonner nos efforts en matière de connectivité et de soutien numérique aux établissements. Il revient au ministre-président des deux régions ainsi que mon collègue, le ministre-président Géolet, de conduire les discussions sur cet accord de coopération et qui plus est en matière de connectivité des écoles, sujet qui dépend directement de leurs compétences ainsi que de celles de mon collègue Monsieur Dardenne. S'agissant de la question des difficultés rencontrées par les élèves en termes de numérique, bien que les constats que vous mettez en lumière sont navrants, il est à peine besoin de rappeler ici que si nous voulons que la société de demain soit inclusive, l'acquisition des compétences numériques est essentielle. En la matière, nous avons 3 défis à relever que j'aimerais rapidement rappeler ici. Comment développer l'acquisition des compétences numériques? Comment développer l'utilisation réfléchie du numérique à l'aune d'un projet pédagogique? Et comment faire du numérique une opportunité pour la réduction des inégalités et éviter la fracture numérique? Et c'est bien en vue de répondre à ces défis que la stratégie numérique pour l'éducation a initialement été adoptée. Ainsi, au terme de leur scolarité obligatoire à 15 ans, tous les élèves auront eu l'opportunité d'acquérir les savoirs, savoir-faire et compétences de la société numérique, mais également l'opportunité d'exploiter les matières STEM, sciences, technologies, engineering and mathematics. Ces attendus précis se trouvent cristallisés dans le référentiel dédié à la formation manuelle, technique, technologique et numérique. Il ne fait pas de doute que le développement de la littératie numérique, des sciences informatiques et de la programmation fait l'objet d'une attention particulière au sein du gouvernement, de même que l'éducation aux médias est en développement au sein du domaine du tronc commun relatif aux sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale. C'est à travers cette attention particulière donnée aux compétences que les élèves pourront acquérir les aptitudes numériques essentielles à la société de demain. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. J'ai en effet omis de préciser que la question de madame Nicolic était... Et donc, je passe la parole à madame Françoise Mathieu pour sa réplique. Vous avez la parole. Donc, c'est pour excuser madame Diana Nicolic qui me fait dire qu'elle est en commission,
en culture et qu'elle ne peut venir auprès de nous. Par rapport à la réponse, ben, Madame la Ministre, les accords de coopération ne sont pas évidents à conclure, mais peuvent avoir des retombées très favorables qui permettent d'avancer. À l'instar de l'accord de coopération dont je parlais dans ma question, qui a d'ailleurs fait ses preuves, coopérer avec vos collègues de la région ne peut être que bénéfique. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Madame la députée. Je passe maintenant la parole à Madame Cortis pour sa question sur la représentation des élèves dans l'enseignement obligatoire. Vous avez la parole, Madame la députée. Je vous remercie. Madame la Ministre, en décembre dernier, je vous interrogeais par rapport à la création dans l'enseignement obligatoire d'organisation de représentation communautaire, ORC, pour les élèves, qui permettra à ces derniers de faire entendre leur voix de manière officielle auprès de votre gouvernement, mais aussi au sein d'organes officiels comme le comité de concertation du pacte pour un enseignement d'excellence. Pour rappel, dans l'avis numéro 3 du pacte, le groupe central s'est accordé en son point OS 5.5, intitulé « Renforcer la démocratie scolaire », sur la nécessité de donner un cadre légal à l'existence des, et j'insiste, des organisations représentatives des élèves, à l'instar de ce qui existe pour les associations de parents. Le chantier numéro 16 du pacte, lui, est consacré au renforcement de la démocratie scolaire et du bien-être à l'école, et la déclaration de politique communautaire prévoit de permettre une participation des représentants de l'ensemble des élèves du degré supérieur de l'enseignement secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux travaux du comité de concertation du pacte. Vous m'aviez répondu qu'un volet du chantier numéro 16 était consacré à la création d'une organisation représentative des élèves au niveau du système et qu'à ce stade, vous analysiez les différents modalités de création d'une organisation représentative des élèves. Vous ajoutiez que les travaux ont été entamés et des dispositifs participatifs associant des élèves ont été menés et sont encore en cours. Vous ajoutiez toujours au mois de décembre mener une analyse comparative des modes de représentation des élèves dans d'autres pays. Pardon. Madame la ministre, je n'avais pas manqué de vous faire part de mon grand étonnement quant à la volonté de ne reconnaître qu'une seule ORC, en l'occurrence le comité des élèves francophones, le CEF. En effet, comme je vous le précisais, ce n'est pas parce qu'à l'heure actuelle, aucune autre organisation que le CEF ne se revendique comme syndicat des élèves qu'il faudrait que le décret que nous adopterons soit une photographie de la situation actuelle. À mon sens, il faut prévoir des balises qui permettent à d'autres ORC, ou on les appelle comme on veut, ce ne sera peut-être pas l'appellation ORC comme dans le supérieur, mais permettre à d'autres organisations de se créer à l'avenir à côté du CEF. Il me paraît en effet évident que le pluralisme ne peut pas, par définition, dépendre d'un seul organe de représentation. Nous devons éviter d'en arriver à l'instar de ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, avec la Fédération des étudiants francophones, la FEF, à une situation de monopole d'une seule organisation représentative des élèves. Alors vous me répondiez, quand je faisais cette comparaison avec l'enseignement supérieur, que les réalités sont extrêmement différentes dans l'enseignement obligatoire et le supérieur de multiples niveaux, et que le contexte de l'école et les caractéristiques du public visé, en l'occurrence les élèves, supposent donc une réflexion spécifique et distincte qui ne peut concerner l'enseignement supérieur. Je vous donnais toutefois un simple exemple, très parlant à mon sens, qui démontre toute l'importance de créer plusieurs organisations de représentation communautaire, en tout cas de permettre à plusieurs de se créer dans le temps. Je vous le rappelle brièvement, j'avais discuté avec le CEF que j'ai pu rencontrer de son deuxième sondage qui avait été réalisé en avril 2020, intitulé « La fin de l'année scolaire, t'en penses quoi ?» Et le CEF émet des avis et des recommandations destinées au pouvoir public et à vous-même. Et d'emblée, dans son rapport, en toute transparence, le CEF précise « Nous aurons parfois des prises de position, des recommandations qui contrediront l'avis général relevé par rapport au sondage qu'il mène. » D'ailleurs, il ressortait de ce sondage qu'un seul élève sur cinq qui avait répondu au sondage était en faveur, en juin dernier, d'un passage automatique à l'année supérieure compte tenu de la crise sanitaire dans le secondaire. Mais le CEF affirme tout de même, dans ses recommandations qui vous sont destinées, qu'il faut que le passage à l'année supérieure soit automatisé. Donc, c'est une prise de position plutôt idéologique, voire politique, comme la FEF, peut le faire dans l'enseignement supérieur. C'est une prise de position, mais qui n'est pas partagée par tous les élèves. D'ailleurs, un seul sur cinq, comme je l'ai dit, avait répondu pour cette solution. Donc, je le répète, ce simple exemple démontre qu'une ORC ne va pas toujours aller dans le sens de la majorité des élèves consultés. Il a des prises de position plus idéologiques et ne pourra pas en lui-même être pluraliste. Enfin, je m'interroge sur la légitimité d'une organisation représentative des élèves si les membres de celle-ci ne font pas l'objet d'une élection
comme c'est le cas actuellement pour le CEF. Madame la ministre, mes questions sont les suivantes. Pourriez-vous me présenter l'état d'avancement des travaux du chantier numéro 16 du pacte, précisément en ce qui concerne le volet représentation des élèves? Avez-vous pu mener comme prévu une consultation des élèves dans ce cadre? De quelle manière? Avez-vous pu effectuer une analyse comparative des modes de représentation des élèves dans d'autres pays? Qu'en ressort-il? Envisagez-vous aussi d'examiner ce qui se fait en Flandre? Avez-vous pu vous pencher sur les éléments de réflexion que je vous exposais en décembre dernier et que je viens de vous réexposer, donc sur la nécessité de prévoir la possibilité, ce n'est pas à vous évidemment de les créer, de prévoir dans le décret des balises pour que d'autres ORC puissent être légitimement élus et voir le jour et coexister de manière démocratique avec le CEF. Alors, une base décrétale en vue de la création de ces organisations représentatives dans l'enseignement obligatoire est-elle en phase de rédaction? Si oui, selon quel agenda pourra-t-elle être présentée au Parlement? Et enfin, vous avez déclaré qu'un volet du chantier portait sur d'éventuelles perspectives pour les élèves de l'enseignement fondamental qui ne devront pas être oubliés. Pourriez-vous me présenter des pistes de réflexion pour ces élèves de primaire? Je pense effectivement qu'à leur âge, on peut aussi avoir certains avis à donner. Et il n'y a pas que le secondaire qui doit être entendu. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, Madame la députée. Je passe la parole à Madame la ministre pour ses réponses. Merci, Madame la présidente. Madame la députée, je vous remercie pour votre question. Les travaux du chantier 16 qui portent sur la participation et la démocratie scolaire avancent. Nous avons reçu dernièrement le rapport commandé dans le cadre du cadre participatif du pacte au CEF. Ce rapport porte sur les conclusions obtenues au terme de l'exercice participatif qui a permis la consultation des élèves sur la question de la mise en place d'un organe de représentation des élèves au niveau communautaire. Cette consultation a été organisée courant de l'année 2020 avec toutes les difficultés évidemment que la crise a pu impliquer. Elle a démarré par une première action de recrutement d'ambassadeurs d'élèves pour participer à la consultation. Ce recrutement s'est opéré via les réseaux sociaux et une prise de contact directe des élèves qui s'étaient déjà proposés pour être ambassadeurs les années précédentes. La diversité est toujours de mise pour répondre aux exigences de méthode de la consultation. Il y avait donc des élèves provenant de tous les réseaux, niveaux, types, bassins d'enseignement et indices socio-économiques. Au final, 21 élèves ont effectivement participé. La seconde étape a consisté en la tenue de séances d'information des élèves sur le contexte et le sens de la consultation à laquelle ils s'étaient engagés. Une information sur les consultations antérieures déjà conduites par le CEF, ainsi qu'une vidéo explicative du parcours d'un décret en Fédération Wallonie-Bruxelles leur a été communiquée au préalable. Ensuite, des échanges se sont tenus autour de quatre questions. Qu'est-ce qu'une ORC et à quoi cela sert? Où en est-on dans la création du décret? Qu'est-ce qui a été fait lors des années précédentes? Et quel est leur rôle en tant qu'ambassadeur? Ensuite, un deuxième atelier s'est tenu qui a cherché à présenter les modèles participatifs existants ailleurs, en Flandre, au Luxembourg, en France, en Slovénie et en Irlande. Enfin, le troisième atelier a fait travailler les élèves en deux groupes, l'un sur un modèle de démocratie directe, l'autre sur un modèle de démocratie indirecte. Les conclusions de ce rapport, ainsi que l'analyse des modèles étrangers, sont analysées de manière approfondie pour permettre de dégager des propositions concrètes d'ici au mois de juin, comprenant à cette date les pistes de modification décrétale nécessaires à la concrétisation de cet objectif de l'avis numéro 3 du pacte. Concernant votre question relative au pluralisme de la représentation, je pense que nous ne devons pas nous tromper de sujet. Il s'agit de prévoir que les différents niveaux et types d'enseignement puissent être justement représentés. C'est d'ailleurs toute la difficulté de l'exercice que de permettre une représentation des élèves tenant compte de leur âge et de leur niveau de développement. En l'occurrence, je ne crois vraiment pas que la comparaison que vous faites avec la situation que connaît l'enseignement supérieur soit opportune. En effet, si nous voulons une représentation des élèves par les élèves eux-mêmes, nous devrons nécessairement tenir compte de leur âge et du temps scolaire, fondamentalement différent de celui des organes de représentation communautaire classique de l'enseignement, tout comme d'une autre personnel politique. Enfin, je comprends vos inquiétudes concernant la place que pourrait prendre le CEF, mais je crois utile de vous faire savoir qu'elles sont partagées par le CEF lui-même, à savoir qu'il n'a pas l'intention de prendre des positions, mais toujours de faire remonter des opinions des élèves, même quand elles sont totalement isolées. Je n'ai pas connaissance d'un seul de leurs rapports où cette précision n'aurait pas été mentionnée d'ailleurs. Il y a une vraie exigence de neutralité dans la mission que le CEF exerce dans le cadre participatif du pacte, et c'est pour cette raison que la SBL est en réflexion sur ses propres perspectives d'évolution, précisément pour éviter que les mêmes personnes ne soient partie prenante de l'ORC, même à titre d'organisateur, si cela devait être le cas, et dans le même temps continue de se voir confier des missions consultatives à l'adresse de tous les élèves au sens large. Je vous remercie pour votre question.
Merci, Madame la Ministre. Je passe la parole à Madame Cortis pour sa réplique. Vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour vos réponses. Je profite de ma réplique pour préciser que je n'ai évidemment rien contre le CEF. Et d'ailleurs, la première fois que je les ai rencontrés, je leur ai exposé tout ce que je vous expose aujourd'hui. Et au contraire, j'estime qu'une officialisation des organisations représentatives des élèves de l'enseignement obligatoire est nécessaire, puisqu'il est important d'entendre les acteurs de l'enseignement, comme les fédérations de pouvoir organisateurs, les syndicats qui représentent le personnel enseignant, les fédérations de parents. Il est aussi essentiel de se placer du point de vue des élèves. Mais comme vous le savez, les syndicats, ils sont plusieurs. Les fédérations de parents, il n'y en a pas qu'une. Les pouvoirs organisateurs, forcément, non plus. Et quand vous dites que le CEF ne prend pas des prises de position idéologiques, si il le fait, je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Pour moi, c'est exactement le pendant de la FEF dans le supérieur. Or, dans le supérieur, nous avons un travail actuellement au sein de la commission de Madame la ministre Glatini, qui est d'ailleurs dans le supérieur, plusieurs ORC peuvent être créés, mais les critères sont trop stricts. Donc ça, depuis la disparition de l'UNECOF, qui était le pendant de la FEF, qui était en parallèle à la FEF, il n'y a plus que la FEF et il y a un problème de pluralisme, tout le monde s'accorde à le dire. Donc pour moi, c'est la même chose. Je pense qu'on doit éviter la situation qu'on a actuellement dans le supérieur, ici, dans l'obligatoire, alors qu'on crée seulement ce mécanisme. Donc, à mon sens, le pluralisme ne peut dépendre d'une seule organisation, mais doit dépendre de plusieurs. Donc, je ne manquerai pas de continuer à suivre ce dossier et à réassister auprès de vous, non seulement sous l'angle du pluralisme, mais aussi de la légitimité et du mode d'élection des représentants des élèves. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais rendre la présidence à Madame Gaoussi. Merci beaucoup, Madame Chabert, pour cet intérim. Alors, nous passons à la question de Monsieur Janssen, qui est parmi nous, sur la problématique de l'obésité chez les jeunes. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, la Fédération, la FOEB, vous m'entendez, pardon, excusez-moi, je vais... lance régulièrement des appels à projets pour inciter les écoles fondamentales à intégrer une alimentation plus saine. Vous nous avez annoncé dernièrement qu'un groupe de travail alimentation allait se réunir pour améliorer la coordination des stratégies avec la région wallonne et la région bruxelloise. Madame la Ministre, ici aussi, il y a urgence. Nous observons qu'en Belgique, un enfant sur cinq est en surpoids, entraînant de l'hypertension, des prédiabètes, des syndromes métaboliques et une probabilité accrue de développer des maladies chroniques à l'âge adulte. Par ailleurs, de nombreuses études prouvent l'impact de la nutrition sur la santé mentale, dont on parlait ce matin, et inversement, et malheureusement, en augmentant la sédentarité et un comportement alimentaire souvent néfaste à la santé, le confinement n'aura certainement pas amélioré la situation. Comment pouvons-nous, Madame la Ministre, répondre de manière plus efficace à ce problème d'importance majeure à l'école? Comment comptez-vous accentuer davantage la promotion d'habitudes alimentaires saines dans les écoles? Disposons-nous d'informations relatives à des bonnes pratiques en la matière, accessibles à tous les acteurs de première ligne? Pouvez-vous nous préciser si la sensibilisation de la nutrition est présente dans les référentiels et de quelle manière? Et enfin, considérant le lien entre l'alimentation et la santé mentale, pourriez-vous également nous dire si les professionnels des CPMS et les éducateurs engagés dans le cadre de la crise sanitaire sont suffisamment formés pour répondre aux troubles alimentaires? Je vous remercie. Merci, Monsieur Janssen. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, l'obésité peut avoir un fort impact négatif sur le quotidien des élèves. La conjonction de mauvaises habitudes alimentaires et d'une activité physique insuffisante en est une des causes les plus fréquentes. Il est impératif que les actions de promotion d'habitudes alimentaires se poursuivent. Ainsi, l'appel à projet Alimentation saine sera reconduit l'année prochaine et soutiendra la mise en place des cantines scolaires durables, tout comme la mise en place de collations saines et d'autres projets d'école, tels que la visite de producteurs locaux ou la mise en place d'un potager pédagogique. Par ailleurs, les enseignants et les enseignantes peuvent trouver sur la page santé-bien-être du site enseignement.be de nombreux liens pour s'outiller, s'informer ou se former sur ces thématiques. Tout comme ils trouveront sur e-class des ressources de qualité, fiables et validées pour leur potentiel d'exploitation pédagogique. Dans le futur référentiel du tronc commun en sciences, il est attendu que les élèves proposent et justifient.
inflationniste, etc. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Janssen. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre, pour toutes ces précisions. On voit qu'en effet, on essaie déjà de faire un maximum sur le sujet, même si on se rend compte que les défis sont nombreux et que cette difficulté n'ira probablement que crescendo. On peut le craindre, mais je suis heureux de voir que vous êtes déjà très actif dans ce domaine. Merci. Merci, monsieur. Alors, nous passons à la question de madame Mathieu, qui est derrière son petit écran, sur la gestion du retard scolaire aux Pays-Bas. Vous avez la parole, madame la députée. Bonjour, madame la présidente, madame la ministre. Dans le cadre de la crise sanitaire, les élèves aux Pays-Bas font également face à un retard scolaire dû à la fermeture des écoles, qu'il sera à terme nécessaire d'absorber. Parmi les solutions envisagées par le gouvernement néerlandais, certaines ont retenu mon attention. Je pense notamment à la répartition de la matière sur une année scolaire plutôt que sur une courte période, à des cours d'été par petits groupes, à la prolongation de la journée de cours, à des cours en extérieur. Certaines de ces pistes ont-elles été envisagées et ou retenues à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Dans l'affirmative, lesquelles ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la ministre, pour vos réponses. Merci, Madame la présidente. Madame la députée, la gestion des retards scolaires accumulés dans le cadre de la crise sanitaire me préoccupe et est liée aux questions relatives à la santé mentale de nos élèves. Les épreuves externes certificatives de fin d'année nous permettront d'objectiver le phénomène de retard et d'ajuster nos actions en vue de la rentrée scolaire 2021-2022. Vous vous rappelez qu'à la rentrée de septembre 2020, ma priorité a été de renforcer les dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé à travers l'octroi de périodes supplémentaires aux écoles à indice socio-économique faible. Pour rappel, une enveloppe de 17 millions d'euros avait été dégagée à cet effet par le gouvernement dans le cadre du fonds d'urgence de la Fédération. Une mission d'évaluation menée par le Service général de l'inspection permettra d'en tirer les conclusions nécessaires au pilotage du système éducatif d'ici le mois de juin 2021. Parmi les pistes de solutions que vous citez, toutes envisagées par le gouvernement néerlandais, la répartition de la matière sur une année scolaire plutôt que sur une courte période est déjà d'application dans notre système éducatif. Actuellement, les référentiels définissent les attendus par cycle de 2 ou 3 ans. Dans le cadre de l'entrée en vigueur progressive du tronc commun, ces attendus seront déterminés par année d'études. Chaque fédération de PO et Wallonie-Bruxelles Enseignement dispose ensuite d'une liberté pédagogique dans la mise en œuvre des référentiels à travers leurs programmes respectifs. Relativement à l'organisation de cours d'été par petits groupes, le gouvernement a décidé en sa séance du 11 février 2021 d'envisager des actions de soutien aux apprentissages menées en dehors du temps scolaire et d'en creuser les modalités sous réserve que du non consommé se dégagent des enveloppes allouées pour le soutien aux élèves dans le temps scolaire. La prolongation de la journée de cours renvoie quant à elle à la question des rythmes scolaires et n'est pas encore à l'ordre du jour. Le débat se centre en effet dans un premier temps sur la réforme des rythmes scolaires à l'échelle annuelle et non journalière. Il est délicat en période de crise d'improviser une mesure d'allongement des journées sans en connaître tous les effets sur le rythme chronobiologique des élèves. Mais comme j'ai déjà dit en réponse à certains de vos collègues, nous avons quand même confié une mission à la Fondation Roi Baudouin pour qu'il étudie cette réforme des rythmes journaliers pour qu'on puisse dans quelques années la mettre en œuvre. Enfin, les activités en extérieur, qu'elles soient d'ordre scolaire ou ludique, sont encouragées dans la mesure du possible depuis le début de la crise sanitaire. Pour conclure, si je partage avec vous la nécessité de résorber les retards scolaires observés en termes d'apprentissage, je rappelle que cela ne doit pas déboucher sur une pression démesurée dans le chef des élèves ou des enseignants qui pourrait s'avérer contre-productive par rapport à l'objectif recherché. Je suis par contre davantage sensible aux solutions de moyen ou de long terme. Les balises définies par les essentiels constituent la seule référence concernant les prérequis indispensables au parcours scolaire de chacune et chacun. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Madame la députée, pour votre réponse. Merci, Madame la Ministre, je vous remercie. Il est certain que toutes ces solutions mises en place par nos voisins du Nord doivent être analysées du point de vue de leur efficacité, de leur coût et de la pédagogie. Mettre en place des journées de cours plus longues ne serait sans doute pas agréable et changerait nos habitudes, mais je pense que ces mesures doivent être prises sur un long terme et non sur un court terme. Merci, Madame la Ministre.
Merci, Madame la députée. Alors, nous avons Madame Gropi derrière son petit écran avec sa question sur l'étude de l'ULIEJE sur la santé des jeunes. Vous avez la parole, Madame la députée. Je vous remercie, Madame la Présidente. Voilà une étude menée par le département des sciences de la motricité de l'Université de Liège auprès de un peu moins de 2000 jeunes a montré que près de 2/3 d'entre eux ont diminué drastiquement leur pratique sportive depuis les mesures de confinement, au profit d'un temps toujours plus important passé devant les écrans. Si les mesures de restriction mises en place dans le cadre de la crise du corona sauvent des vies aujourd'hui, elles risquent par contre d'en mettre d'autres en péril d'ici quelques années. C'est en tout cas la conclusion à laquelle sont parvenus les chercheurs de l'ULIEJE. Aujourd'hui, seul un jeune sur sept pratique encore les 60 minutes quotidiennes d'activité physique recommandées par l'OMS, contre un jeune sur cinq avant la crise. Avec toutes les conséquences que cette évolution peut avoir sur leur santé physique, mentale ou sociale aujourd'hui, mais aussi sur leur santé future, car il est prouvé que l'inactivité physique est à l'origine de nombreuses maladies chroniques, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. D'autant que, conséquence de cette inactivité sportive, les jeunes passent beaucoup plus de temps en position assise ou couchée, et potentiellement, je cite l'étude, et potentiellement devant des écrans. Pour certains, on parle de plus de 8 heures par jour, ce qui est vraiment énorme. Il est fondamental de maintenir au moins deux activités physiques, car pour l'ULIEJE, faire marche arrière, une fois les mesures Covid allégées, ne sera pas chose aisée, car à cet âge-là, on constate le plus d'abandon dans la pratique sportive. Pour éviter un drame de santé publique d'ici quelques années, il va donc falloir évoluer et non se contenter de retrouver les habitudes d'avant Covid. À moyen terme, à moyen terme, il va falloir valoriser et même amplifier le rôle de l'éducation physique à l'école. Et au niveau sportif, il faudra aussi mettre l'accent sur le sport santé et le sport accessible à tous. Dans les clubs, il faudrait davantage se recentrer sur les jeunes plutôt que sur la compétition. Ceux qui veulent juste l'aspect ludique et social du sport ne trouvent pas toujours leur place dans les clubs d'aujourd'hui. Madame la ministre, mes questions sont donc les suivantes. Avez-vous pris connaissance de cette étude? Quelle lecture en faites-vous? Et même si nous sommes encore dans la crise du Covid-19, il est déjà temps de préparer l'après. Que mettez-vous en place pour relancer l'activité physique chez les jeunes? Quels aménagements et quelles activités sont prévues dans les écoles? Et j'entends à court terme, donc des décisions ont été prises par rapport à l'éducation physique à partir de demain, et aussi à moyen et long terme par rapport à l'éducation physique de manière générale. Je vous remercie. Merci Madame Gropi. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, j'ai bien eu l'occasion de prendre connaissance de l'étude menée par Alexandre Mouton et ses collègues de l'ULIEJE. Au sujet de l'activité physique chez les jeunes en temps de pandémie. Comme vous, je considère les résultats préliminaires de cette enquête en ligne interpellants et je partage les inquiétudes exprimées dans le rapport de recherche. Ces résultats seront d'ailleurs complétés dans une publication ultérieure à paraître en septembre 2021. Je me réjouis dès lors que nous ayons pu faire reprendre les cours d'activité physique d'éducation physique et sportive depuis le 15 mars dernier. Nul doute que la santé mentale et physique des jeunes doit figurer au cœur de nos priorités, parallèlement au développement des apprentissages scolaires. C'est pourquoi je ne manquerai pas d'intégrer cette dimension au sein de la stratégie de rentrée 2021-2022, actuellement en cours d'élaboration. Dans une perspective plus structurelle, le consortium Activité physique, bien-être et santé, mené dans le cadre des travaux du pacte et auquel participe M. Mouton, travaille déjà sur l'identification de ressources pédagogiques éprouvées et validées en la matière. Elles sont progressivement mises à la disposition des équipes éducatives via le site e-class et font l'objet de fiches didactiques labellisées. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Madame la députée. Je vous remercie Madame la ministre pour ces éléments de réponse voilà, je suis ravie d'entendre que c'est un thème qui est important pour vous également et que des travaux sont en cours à moyen terme. C'est une question qui me semblait importante à relayer parce qu'il s'agit là de santé communautaire et le sport est
contribue à au développement physique et au bien-être physique, mais aussi à beaucoup d'autres compétences sociales, d'estime de soi, de aussi trouver et être confronté à ses limites. Donc voilà, c'était un thème qui me semblait vraiment important à relayer et je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame Gropi. Nous passons à la dernière question de ce jour avec la question de Madame Maison sur deux pistes de réflexion dans l'attente de nouveaux statuts. Madame Maison, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le renforcement de l'autonomie et de la responsabilisation des écoles et PO se trouve inscrit au cœur du pacte pour un enseignement d'excellence. Via les contrats d'objectifs, le processus de contractualisation est ainsi largement entamé, de même que la culture de l'évaluation et du pilotage qui gagne progressivement nos équipes pédagogiques. Les écoles appartenant aux deux premières vagues des plans de pilotage ont désormais remis leurs travaux, tandis que le dépôt en a été postposé au premier trimestre 2022 pour les écoles de la troisième et dernière vague. Lors de la séance de commission du 9 mars, vous nous avez confirmé que 99% des écoles de la première vague disposent d'un contrat d'objectif, tandis que 98% de celles de la deuxième vague ont transmis leur plan de pilotage dans le délai imparti. Si des conseillers pédagogiques ont été recrutés pour soutenir et accompagner l'aide à l'élaboration des plans de pilotage et l'instauration du travail collaboratif qui doit en découler, l'équipe pédagogique de chaque établissement a dû ou devra, après un diagnostic des forces et faiblesses, se choisir un certain nombre d'objectifs spécifiques et déployer des stratégies pour y parvenir. Au sein de chaque équipe, un groupe intermédiaire, l'équipe porteuse, est ou devra être désignée pour déployer ces stratégies et actions tout en assurant l'effectivité du travail collaboratif. Il va de soi que l'équipe porteuse du dispositif de pilotage joue un rôle déterminant dans la réussite du contrat d'objectif que l'école s'est assigné. Il en émet de même des pilotes d'action, enseignants engagés, cités dans le contrat d'objectif, par leurs fonctions et ou spécificités, qui sont et resteront les garants de la réussite des stratégies et actions contractualisées. Dans de nombreuses écoles, ces enseignants, souvent jeunes et motivés, sont statutairement temporaires. Un système qui permettrait de stabiliser ces enseignants temporaires qui font partie de ces équipes et ou pilotes d'action visant à assurer la cohérence et la cohésion de l'équipe, la réussite des actions tout au long des 6 années où le contrat suivra son cours, serait à ce titre tout aussi essentiel. En effet, dans certains PO et ou réseaux, les enseignants temporaires sont appelés, pour raisons statutaires, à changer d'établissement plus fréquemment qu'ils le souhaiteraient, et il serait dommage de ne recruter dans les équipes pivots des contrats d'objectifs que les seuls enseignants statutaires. D'autre part, j'aborde ici un autre sujet, s'agissant de la pénurie d'enseignants en langue moderne, en particulier à Bruxelles, nous savons à quel point elle devient préoccupante et gagne aujourd'hui même le nord du pays. Là encore, des pistes de solutions existent, mais nécessitent quelques aménagements avec les statuts et ou le décret titres et fonctions. En particulier dans les écoles bruxelloises, des enseignants œuvrant dans une autre fonction parlent couramment le néerlandais ou l'anglais. Ces professeurs sont bien souvent très attachés à leurs écoles, et serait tout à fait disposé à offrir des solutions aux élèves qui se retrouvent privés de cours de langue par défaut d'enseignants. Ils sont porteurs de titres pédagogiques, ce qui n'est, pour leur majorité, plus le cas des remplaçants que les chefs d'établissement peinent à trouver aujourd'hui. Il est donc regrettable que dans de telles situations de pénurie, on ne puisse transférer le temps du remplacement et avec l'accord du MDP, des périodes d'une fonction vers une autre, tout en maintenant le salaire requis et l'avancement statutaire du membre du personnel qui se propose dans la fonction de base. Si cela se pouvait, quelques écoles pourraient combler le manque en état de professeurs de langue, et en particulier néerlandais. L'opération ne serait pas onéreuse, et en tout cas, beaucoup moins que le coût indirect éducationnel lié à des cours non donnés, que le coût direct par l'obligation de surveillance des élèves sans cours. Alors, voici mes questions. Elles sont... Avez-vous une idée de la proportion de temporaires et de statutaires dans les groupes intermédiaires désignés par les établissements dans le cadre des plans de pilotage? Partagez-vous la conviction qu'il est essentiel d'assurer la stabilité des 10 groupes tout au long de la durée du contrat d'objectif? Quelles sont les pistes et aménagements apportés au statut qui permettraient une telle stabilisation? Ça, c'est pour la première partie de la question. Pour la deuxième partie de la question,
pour pallier la pénurie en professeurs de langue moderne, estimez-vous opportun d'autoriser ces transferts d'une fonction vers une autre pour les membres du personnel qui le souhaiteraient, et ce, pour une période circonscrite à la durée d'un remplacement? Merci déjà pour vos réactions. Merci Madame Maison. Madame la Ministre, pour vos réponses. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, la composition des groupes intermédiaires en charge du pilotage des stratégies et actions des contrats d'objectifs pour les écoles des cohortes 1 et 2 ne fait pas l'objet d'un recensement systématique auprès des services de la DGPSE. Il ne m'est donc pas possible de vous communiquer la proportion d'enseignants temporaires et statutaires composant ces équipes. Je partage votre conviction qu'il faille assurer un maximum de stabilité à la composition de ces groupes, même s'il peut aussi être intéressant d'en renouveler une partie des membres à partir du moment où l'on garantit la continuité de la coordination du pilotage des stratégies et des actions du contrat d'objectifs de l'école. Quoi qu'il en soit, conformément au principe d'autonomie pédagogique des PO, il appartient aux directions d'école de les mettre en place et d'en soutenir les membres dans la réalisation de leur mission. Par ailleurs, comme vous le savez, plusieurs dispositions visant à la stabilisation des enseignants novices ont été mises en œuvre dans le cadre du décret du 17 juillet 2020 portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie. Il convient en effet de rappeler que des pas importants ont été posés dans la direction d'une plus grande mobilité des membres du personnel par le décret précité. Il développe en effet, là où elle n'existait pas encore, et accélère, là où elle était déjà inscrite dans les textes statutaires, l'acquisition d'une priorité de deuxième rang, permettant une valorisation d'ancienneté inter-PO qui pourra par la suite être utilisée dans le cadre de la nomination. D'autres pistes sont en cours de préparation, mais il n'est cependant pas prévu, pour des raisons évidentes d'équité, de cibler en particulier les enseignants qui occupent un rôle dans la mise en œuvre des actions du plan de pilotage. Quant à votre proposition de transférer des périodes d'une fonction vers une autre pour permettre à des enseignants maîtrisant le néerlandais ou l'anglais œuvrant dans une autre fonction d'assurer temporairement des cours de langue, je dois vous dire que cette proposition ne me convainc pas. Vous allez dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas convaincue par grand-chose. C'est pas lié, quoi. Outre le fait qu'elle générerait des effets de cascade, de remplacement et une charge administrative supplémentaire pour les directions, elle ne prend pas non plus en considération les spécificités propres à la didactique de l'enseignement des langues modernes. Il est cependant indispensable, sous peine de mettre à mal la cohérence de l'ensemble des mécanismes statutaires, de maintenir des logiques d'attribution d'emploi par fonction, des éléments aussi essentiels que la fixation du barème et ou le développement d'une ancienneté administrative sur laquelle repose l'exercice des priorités statutaires en découle. Il convient également d'être attentif à ne pas déplacer la pénurie en sollicitant des membres du personnel déjà occupés aujourd'hui. L'enjeu doit être d'attirer plus de candidats pour ces fonctions via les filières classiques de la formation initiale, mais également, le cas échéant, via l'appel à des vocations sur base d'une reconversion pour des enseignants de deuxième carrière. Pour votre parfaite information, plusieurs dispositions permettant de lutter de manière pérenne contre la pénurie des professeurs de langue moderne sont à l'étude afin de faciliter l'accès à la profession et ainsi en renforcer l'attractivité, et ce notamment pour des enseignants en reconversion professionnelle via la mise en place de mécanismes de reconnaissance et de valorisation de compétences linguistiques acquises en dehors de la formation initiale. Il est toutefois prématuré de vous donner plus de précisions à ce stade, mais les pistes sont à l'étude. Enfin, Madame la députée, vous le savez comme moi, si des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans d'autres fonctions souhaitent réorienter leur carrière vers l'enseignement du néerlandais, de l'anglais ou de toute autre fonction, ils peuvent déjà le faire aujourd'hui en bénéficiant des congés existants pour l'exercice d'une autre fonction. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Madame Maison. Merci Madame la présidente. Merci Madame la ministre pour vos réactions. Bon, vous le savez, hein, c'est un marronnier chez moi aussi, les statuts. Et comme vous m'avez expliqué la dernière fois que ce ne serait pas pour tout de suite, la réforme des statuts, je comprends, c'est complexe. Mais justement, c'est parce que c'est complexe, je crois qu'il faut s'y atteler le plus rapidement possible, parce que ça ne va pas être quelque chose de facile à réaliser. Ça nécessitera évidemment bon nombre de négociations. Je crois qu'il faut s'y atteler le plus rapidement possible, même si je sais que vous êtes évidemment pas en manque d'activité pour le moment. Voilà, c'est quand même... oui, c'est un euphémisme, bien sûr, mais c'est... En fait, tout le processus du pacte, vous savez que dans sa philosophie et sa méthode, j'y adhère, mais je pense qu'il manquait juste... enfin, juste, c'est aussi un euphémisme, les bases,
qu'on construit un peu sur du sable. Et donc, les deux pistes que je vous suggère, ben, c'est un peu des pistes qui visent, vous l'avez compris, à pallier cette absence d'uniformisation, de réforme et de modernisation des trois statuts, et qui permettrait, dans un certain nombre de cas, de donner des solutions intéressantes. Pour le premier cas, j'ai la conviction, alors d'accord, si un membre du personnel peut tout à coup venir enrichir ou une équipe et une façon de voir les choses, c'est toujours bien. Je crois qu'il faut une réelle stabilité dans ces équipes-là pour réussir le contrat d'objectif. Ça, c'est ma conviction. Et je pense que vous la partagez également, puisque vous l'avez dit. La deuxième chose, effectivement, d'abord, je vous remercie de toutes les pistes que vous évoquez quant à une lutte contre la pénurie de profs en langue moderne à long terme ou à moyen terme, mais ce sont des pistes à long et à moyen terme. Le but n'est pas d'imposer quoi que ce soit aux établissements. Le but, dans ma deuxième proposition, c'est de pouvoir, je dirais, saisir l'opportunité de cette espèce de volontarisme et de cet esprit d'équipe qui anime pas mal d'équipes pédagogiques et qui permettent à un enseignant porteur de titre, je le répète, vous dites que c'est important d'avoir le titre pédagogique en langue, etc., mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a une telle pénurie qu'on prend n'importe qui pour enseigner l'autre langue. Donc, à partir du moment où, dans une équipe, quelqu'un est d'accord d'opérer ce glissement temporaire pour rencontrer les cours de langue et les données, effectivement, on sait combien les langues sont importantes, eh bien, pourquoi ne pas leur en laisser tout simplement la faculté ? Je ne vais pas surcharger qui que ce soit, je ne veux pas obliger qui que ce soit à quoi que ce soit, je veux juste leur laisser la faculté. J'entends que vous ne partagez pas ce souhait de flexibilité dans une école et sur base volontaire. J'en prends acte et j'attendrai avec grande impatience vos mesures plus pérennes à l'avenir. Merci Madame Maison, merci Madame la Ministre, Madame Chabert, Madame Dupont, Madame Bruyre, nous sommes entre femmes ici aujourd'hui. Les hommes nous ont lâchés. Merci à toutes et à tous pour nous avoir accompagnés toute la journée. Et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et une bonne soirée. Bon retour à toutes. Madame Cortis aussi. Ben oui, entre femmes.